Quand tu dis hein, c'est qu'on est, on est en antenne, c'est ça que tu me dis. Bah, c'est super, je suis bien content. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur le bénéfice du doute numéro 19, la mystérieuse foudre en boule. Et parce que moi j'ai pas de retour, je suis un peu peut-être que j'ai un truc qui s'est un peu cassé dans mon ordinateur, mais bon, a priori non, ça fonctionne. Bienvenue tout le monde. Alors, le tonnerre et la foudre sont peut-être les symboles les plus évidents lorsqu'on veut évoquer les forces de la nature, et c'est sans surprise qu'on les trouve liés à la mythologie et aux légendes. Nos contemporains, vous et puis nous, connaissent l'électricité. C'est une chose devenue aussi banale que l'eau courante, elle n'étonne plus vraiment. Elle est si familière que nous surestimons presque tous notre réel degré de compréhension du phénomène. Et quand je dis presque tous, je vous prie de vous sentir concernés, vous aussi, sauf si vous avez passé des années à travailler spécifiquement sur le phénomène. Donc la foudre, on le voit bien, c'est de l'électricité. Et l'ultra-crépidarianisme, vous irez chercher le mot sur Wikipédia, l'ultra-crépidarianisme encouragé par la familiarité de l'électricité qui alimente nos smartphones, nos turbomixeurs et nos trottinettes, nous conforte sans doute dans l'illusion qu'on a fait le tour du phénomène une fois qu'on a frotté une règle en plastique sur son pull et observé de ses petits yeux les arcs électriques statiques produits. Seulement voilà, la foudre, c'est sans doute un peu plus que ça. Les conditions d'apparition de la foudre se réunissent dans une partie de l'atmosphère où vous et moi ne passons pas beaucoup de temps, les conditions dont la nature échappe aux non-spécialistes et où les événements qui se déroulent ont toutes les chances d'être un peu plus exotiques qu'on ne le croit. Saviez-vous, par exemple, que la foudre pouvait être mêlée à des phénomènes photonucléaires? Moi, je ne savais pas. À des rayonnements gamma, je ne sais pas non plus. Ou encore qu'elle peut générer de l'antimatière. Là, ça m'a complètement scié. Voilà. Et bien voilà, maintenant vous le saurez quand on en aura parlé tout à l'heure. Et puis une fois qu'on aura parlé de la foudre et compris qu'en fait on la connaît assez mal, on se demande si c'est notre ignorance qui nous a fait si longtemps passer à côté du mystérieux phénomène de la foudre en boule. Alors on en parle depuis longtemps, on entend dans tous les villages l'histoire de quelqu'un qui en a vu un jour, mais on manque de données, on manque de traces, de preuves et d'explications. En tout cas, on en manquait, car désormais, des structures comme le GEPAN, on a fait un live avec le GEPAN il y a quelques semaines, donc vous pourrez aller vérifier ce que c'est que le GEPAN. Des structures comme le GEPAN recensent ce phénomène et des vidéos existent, même s'il reste encore à établir définitivement ce qui a été enregistré. Pour les plus sceptiques, il est raisonnable de penser qu'il s'agit d'un mythe socioculturel fondé uniquement sur des témoignages dont les causes sont très diverses, impact d'éclairs, surcharge sur un réseau électrique, méprise avec un bolide ou un astre, persistance rétinienne, etc. Et sur la croyance de ceux qui l'étudient sans vérifier ou étayer les données. Nous allons tenter de savoir ce soir s'il existe des données fiables, des expériences validées, une explication théorique sensée. Et pour ça, nous recevons Raymond Piccoli, qui dirige un laboratoire de recherche sur la foudre et se passionne pour l'énigmatique foudre en boule ou sphéroïde qui traque un peu partout. Donc, mesdames et messieurs, nous accueillons Raymond Piccoli. Est-ce que vous êtes là? Tout à fait, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Eh bien, bonsoir. Alors, est-ce que l'édito était correct? Oui, très bien, très très bien. Donc, pas de bêtises jusque-là. Très bien. Alors, on va vous présenter un peu aux gens, savoir ce que c'est que ce laboratoire, et vous-même, d'abord, quel est votre background, votre formation, votre parcours, comment vous en êtes arrivé à être spécialisé dans la foudre et la foudre en boule? Alors moi, j'ai commencé, moi je suis de formation, je suis un produit de l'astronomie et de l'astrophysique. En fait, j'ai commencé il y a fort longtemps maintenant. Bon, déjà, par rapport à la foudre, ça fait 3 décennies que je travaille sur la problématique. Pas que la foudre en boule, bien évidemment, mais c'est vrai que la foudre en boule est un sujet de prédilection parce que au laboratoire, on travaille essentiellement sur le terrain. Donc nous, on a un postulat qui est très simple, qui est celui d'accumuler des données au cœur des phénomènes orageux, alors soit avec des véhicules qui sont spécifiquement équipés d'instrumentation de mesure, et puis nous disposons également de temps sur des aéronefs qui nous permettent de travailler alors soit en périphérie de la cible, le plus généralement, souvent, soit parfois à l'intérieur quand le besoin s'en fait sentir, mais autant que faire se peut, on évite. Ça, c'est la première chose. Moi, j'ai commencé à l'origine, en fait, j'ai eu un parcours un peu particulier. Je travaillais sur de l'astronomie optique, c'était la détection des petits corps du système solaire. Puis après, j'ai versé dans l'interférométrie, et puis de l'interférométrie optique, je suis passé à l'interférométrie radioastronomie, tout simplement. Et parallèlement à ça, je travaillais sur les orages et la foudre en particulier, parce qu'il y a vous l'avez énoncé vous-même, hein, il y a des liaisons qui sont très consanguines entre astronomie, astrophysique et foudre.
Et puis c'est tout naturellement que peu à peu, j'ai glissé dans cette soupe électrique plasmoïde qu'est la. Voilà. Alors le laboratoire maintenant, c'est très simple, hein. C'est un effectif en me comptant, de 15 chercheurs, ingénieurs et techniciens, rien de transcendantal non plus, dans le sens que on a un statut qui est pas du tout rattaché à l'institutionnel. Nous, ici, on a un statut, on est très libre, on a un statut de société savante, hein, ça, tout simplement. Et les chercheurs qui composent l'équipe sont des chercheurs de 7 nationalités d'origine, et ils sont là sous statut soit en chercheur détaché, soit en chercheur associé, ou soit simplement carrément bénévole. D'accord. Et c'est un laboratoire qui ne dépend pas d'une université ou d'un institut comme le CNRS ou le CEA. Il est indépendant? On a des collaborations par le biais de conventions tout à fait officielles qui nous permettent, par exemple, de travailler avec des collègues américains de certains laboratoires. En France, peu, je dois dire. Voilà, moi, après, à titre personnel, chacun dans l'équipe a ses petites particularités. Vous aviez évoqué le GEPAN tout à l'heure. Donc, moi, à titre personnel, je collabore au comité d'experts du GEPAN, justement sur les phénomènes de foudre en boule. Donc c'est très simple, hein. C'est une position là aussi, hein, ça va faire 11 ans maintenant. Donc ça consiste très simplement de temps en temps à donner un avis sur des cas particuliers pour savoir s'il peut s'agir d'une hypothèse foudre en boule ou tout simplement l'affirmer. D'accord. Et il y a beaucoup de chercheurs en France qui travaillent sur le phénomène. Alors, sur le phénomène, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la foudre en boule, je ne vais pas dire qu'on est en marge de la science, mais le postulat scientifique voudrait qu'on ne puisse travailler que sur des choses, et vous le disiez à juste titre tout à l'heure, qui sont reproductibles. D'accord? Or, avec la foudre en boule, on est, mais alors, tout à fait à l'opposé. C'est-à-dire que c'est un phénomène totalement erratique, qui n'est jamais là à coup sûr. C'est un phénomène qu'on ne reproduit pas. On en avait d'ailleurs parlé brièvement au téléphone pour préparer l'émission. C'est vrai qu'il y a souvent des labos qui annoncent qu'on a reproduit la foudre en boule. Alors, il y a ce que dit aussi le laboratoire et il y a la manière dont l'entendent et le retranscrivent les journalistes, bien évidemment. Ça, c'est encore deux choses différentes. Bon, voilà, souvent les faits de base sont malmenés, on va dire. Mais reproduire une petite sphère, par exemple, ou un agrégat lumineux qui va durer quelques secondes, ne permet pas d'enclencher les phénomènes que vous évoquiez également dans la présentation, c'est-à-dire les phénomènes photonucléaires de la foudre, qui sont de toute façon partie prenante dans la formation de ces phénomènes lumineux. Il faut savoir que ces phénomènes lumineux peuvent avoir des durées de vie qui sont assez longues, de plusieurs minutes, voire dans des cas très exceptionnels qu'on a peu rapportés, mais on en a quand même de plusieurs dizaines de minutes. Et est-ce qu'on est sûr que c'est le même phénomène? On peut venir après, mais entre ceux qui durent très peu de temps et ceux qui sont très longs, est-ce qu'on est sûr que c'est la même chose? Et bien justement, c'est pour ça que nous, au labo, on a créé une échelle de classification, une échelle typologique et observationnelle, parce que pour nous, il était absolument impossible, après toutes ces années de retour d'expérience, ces centaines de procès-verbaux d'audition, parce qu'on a aussi il y a un protocole scientifique derrière. Je disais tout à l'heure qu'on était à la limite de la science, parce que vous prenez un chercheur qui va être dans de l'institutionnel, qu'est-ce qu'il va aller dire? Il va aller dire, voilà, j'aurais travaillé sur un phénomène qui n'est pas reproductible et dont on a très très peu de données. Au jour d'aujourd'hui, à la façon dont ça se passe, à la manière dont ça se passe, je vois pas comment il va avoir les crédits. Ça va être très compliqué. Donc, nous, on a ce postulat justement, pardon, sur la foudre en boule et sur d'autres phénomènes, d'accumuler des données et ensuite de les transmettre avec le protocole scientifique à des gens qui sont en mesure, eux, d'en faire profit. Mais c'est pour ça Je qu'on verra dans la seconde partie, parce qu'on va d'abord parler de la foudre conventionnelle, et que moi je regarde un petit peu, et c'est vrai que je me pose la question, est-ce qu'on est vraiment sûr que les différents témoignages, ils pourraient parler de choses différentes, et donc les phénomènes qui durent très peu de temps et ceux qui durent très longtemps pourraient être de nature différente, mais on a une grande case foudre en boule là-dedans, et peut-être que c'est pas la bonne case. Alors justement, je reviens au début de ma réponse, je fais un petit parcours autre. Il était hors de question pour nous de tout mettre dans le sac foudre en boule. C'est pas possible. C'est pas possible parce que entre le phénomène qui va mesurer 10 cm de diamètre, qui va passer en 4 secondes et dont on peut avoir confusion par exemple avec une image rétinienne ou autre,
D'accord? On ne peut pas mettre là-dedans un phénomène qui est resté statique, qui faisait 1,50 m de diamètre et qui est resté 10 minutes. Ben voilà. Donc, on a catégorisé la foudre ambulante. On a fait trois catégories. La Et première ça, catégorie. on en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc là, déjà, on va mettre tout le monde d'accord sur la foudre, en gros, ce qu'on sait, ce qu'on ignore, sur la foudre de base, celle qu'on voit dès qu'on ouvre la fenêtre. Bêtement, première question, est-ce que c'est vrai que la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit? Non, c'est faux. C'est faux, hein? Elle frappe vraiment deux fois, voire plusieurs fois au même endroit. D'ailleurs, depuis la plus haute antiquité, ça a été remarqué. Les Romains, par exemple, avaient remarqué que certains endroits étaient régulièrement frappés par la foudre. Et la question subsidiaire, c'est, alors pourquoi? Bah oui. Je vais vous dire une chose, on n'en sait toujours rien. La nature du sol va jouer. Et puis quand on croit se dire, bah ici, tiens, il y a une particularité qui fait que ça ne peut pas être autrement. Dans la réalité, on s'aperçoit que non, parce que ça va être la même chose ailleurs avec des vecteurs totalement différents. Donc les Romains l'avaient remarqué, et quand ils constataient que la foudre tombait régulièrement à un endroit, ils posaient une stèle. Alors soit un bidental, soit une stèle où il était gravé FDC, Fulgur Divum Conditum. Alors selon les versions latines du dictionnaire Gaffio, ça signifie plus ou moins ici le feu céleste est enseveli. Et ça voulait tout simplement mettre en garde les gens pour leur dire ici la foudre tombe régulièrement. D'accord. J'ai pas révisé beaucoup, hein, mais j'ai souvenir, lorsque je m'étais intéressé un peu à ça quand j'étais plus jeune, qu'il y avait une foudre ascendante et que parfois, quand la foudre tombe, en fait, il y a une décharge qui monte du sol et que les deux se rejoignent un peu plus haut. Est-ce que c'est validé ça? Et est-ce que si ça existe, comment ça marche? Alors c'est toujours le cas, c'est toujours comme ça que ça se passe. Après, il y a les coups de foudre effectivement ascendants et les coups de foudre descendants. Alors, En fait, comment on les classe? Tout simplement parce qu'il y a une partie du trajet qui va être plus importante dans la descente, donc ce sera le descendant. Et puis pour d'autres, il y aura une partie comme les pointes très élevées, les antennes très hautes ou lorsqu'il y a des effets de pointe très importants. La décharge va avoir plutôt tendance à monter. D'ailleurs, souvent, ça le fait en forme de V, hein, comme ça part en V. Du haut d'antennes très très hautes qui font plus de 100 ou 200, voire 300 mètres, les grandes antennes de communication. Et là, ce sera véritablement des foudres ascendantes. D'accord. Bon, c'est assez marrant. Alors, j'ai vu aussi, et est-ce qu'on sait pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a plus d'orages sur les continents que sur les océans? Oui, alors ça, c'est intéressant. Pour l'instant, au-dessus des océans, on a une uniformité de température. On suppose que la cause en est là. Et l'uniformité de température crée en fait une espèce de monotonie atmosphérique, si vous voulez. Parce qu'au-dessus d'un continent, vous allez avoir les évolutions de montagnes, de plateaux, de plaines surchauffées qui vont créer de violents courants de convection et vont aider considérablement à la formation des orages. Alors attention, je dis monotonie, il ne faut pas rêver. Il ne faut pas oublier que les cyclones, les ouragans, les typhons et tout le reste prennent naissance au-dessus des océans, mais il faut par contre qu'il y ait un écart de température très important entre l'air et l'eau, ce qui n'arrive pas tout le temps. Il faut qu'il y ait quand même une violente différence de température. Et donc, bah, donc il y a des hotspots où les tempêtes se produisent plus qu'à d'autres. Au niveau mondial, quelqu'un dans le chat dit qu'il y a 8000 impacts de foudre. Alors c'est par seconde, c'est par jour, j'ai pas lu, j'ai pas retenu. Bon, j'ai perdu le... Ah, ça va. Oui, par seconde. Est-ce que c'est vrai qu'il y aurait 8000 impacts de foudre par seconde sur Terre? C'est pas intéressant, mais bon, c'est... En gros, il y a à peu près 2000 orages. C'est à la louche parce que franchement, c'est des données qui datent quand même d'une bonne décennie. Donc Oui, et puis le climat voilà. va changeant. Ouais, voilà. Puis après, c'est des chiffres qui sont un peu baladés. Mais on va dire en gros, on a à peu près 2000 à 2500 orages qui gravitent autour de la planète plus ou moins simultanément, qui vont au bas mot générer entre 8 et 10 millions d'éclairs. Voilà, tout ça par période de 24 heures. Ça, D'accord. c'est lissé une moyenne mathématique Eh ben, en on laissera les statistique. gens diviser ces millions par 24 heures et environ par seconde, comme ça fait. Va avoir des orages qui vont être très très actifs et puis d'autres beaucoup moins, bien évidemment. Est-ce qu'on constate déjà, ou est-ce qu'on s'attend à, ou est-ce qu'on voit déjà une évolution dans la manière dont les orages se produisent, leur fréquence, leur force par rapport au climat qui change? Alors les orages. C'est une excellente question. Les orages, il faut déjà savoir une chose, c'est que ce sont certainement parmi les plus fabuleux révélateurs de l'état de notre milieu. Parce que dans l'orage, on va y trouver
de l'eau sous ses différentes formes. Les grêlons sont très intéressants parce que les grêlons sont les reflets du milieu dans lequel ils sont nés. Donc, en analysant les grêlons, par exemple, on va y retrouver tout un tas d'éléments chimiques, y compris les centaines de millions de mètres cubes de polluants atmosphériques de toute nature que l'orage va traverser. Donc, déjà, on va. Et ça joue un rôle, hein. Ces polluants jouent un rôle dans la dispersion des gaz, par exemple, dans la dispersion des flux d'air. Ça va rendre l'air plus ou moins dense. Par conséquent, ça va aussi faire bouger un petit peu et le taux d'hygrométrie, donc d'humidité, et puis la vitesse et parfois même le plaquage de certains courants aériens. Pour l'instant, ce que l'on remarque, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que la foudre est quand même indispensable au maintien de la vie sur Terre. Elle régule les champs électrostatiques terrestres. Donc demain, s'il n'y avait plus du tout d'orage, on aurait un gros problème. Et en quelques dizaines de mois pour les plus pessimistes, en quelques peu d'années pour les plus optimistes, on risquerait d'avoir la disparition de toute forme de vie sur Terre. Ça, c'est l'hypothèse qui est Il se envisagée. passerait quoi? Ben, il faut savoir qu'on a une couche, alors ce n'est pas une couche atmosphérique, hein, c'est une couche électrique, un petit peu un point d'équilibre qui est l'électrosphère, où là, on a des valeurs qui sont importantes. Dans l'électrosphère, on a des valeurs qui sont de l'ordre de 280 000 à 300 000 volts au mètre linéaire. C'est quand même considérable. À la surface du sol, nous, on est bien pauvres avec nos 120-150 volts de moyenne, d'accord? Linéaire, qui vont se renforcer au plus on monte en altitude, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'effet de pointe, de toute façon, qui va être rendu beaucoup plus important durant l'orage. Donc, si vous voulez, le rôle des orages est aussi d'équilibrer l'électrostatisme entre ces deux parties terrestres, une qui est aérienne, forcément, et puis l'autre qui est au niveau du sol. Donc si les orages n'étaient pas là, les valeurs au niveau du sol monteraient considérablement et monteraient et ne seraient pas limitées. Hein. Il n'y a pas un bouton caché derrière un arbre où c'est marqué limitation du champ électrique terrestre. Donc à un moment, il y aurait quand même des problèmes au niveau corporel, les champs électriques seraient très très forts, et puis je ne vais rien vous apprendre en vous disant que nous sommes mus uniquement par des impulsions électriques dans le système nerveux. Donc il y a Oui, mais enfin, nous les. on est isolé quand même. On est isolés, mais jusqu'à un certain point. Oui. Donc, voilà, donc, il faut de l'orage pour équilibrer tout ça. Dans la théorie, il y aurait aucune, à un moment, il n'y aurait aucune limitation dans l'aggravation du champ. D'accord. Bon, j'ai pas tout compris tout ça, mais d'accord. C'est quoi le diamètre de la foudre quand elle tombe? Parce qu'on a toujours cette image, on la voit, selon comment on zoome, elle paraît très large, elle paraît très très étroite, comment on peut savoir? Alors, il faut faire attention parce que sur des photos, on a aussi le flash lumineux Ben oui. qui fait que le diamètre est important parce qu'il est imprimé, je ne vais pas dire une partie de la pellicule, c'est de l'argentique, mais il y a du capteur. D'accord? En revanche, la partie électrique, elle est variable, c'est entre 5 et 10, 15, parfois 20 cm pour des coups de foudre assez forts. Ça, c'est pour la partie électrique, mais tout autour, il va se créer ce qu'on appelle une gaine coronale, où à l'intérieur, vous allez avoir tout un tas d'autres canaux qui vont être pris les uns dans les autres. Et on va dire que le diamètre total d'un coup de foudre, d'accord? Alors, ce qu'on appelle le coup de foudre, c'est lorsque l'éclair est porté au sol, quoi qu'il touche. Le reste continue à s'appeler un éclair, un intra ou un internuageux. Mais le diamètre de la gaine coronale, on a pu mesurer par exemple des petites altérations des matériaux autour ou des végétaux. On peut aller parfois jusqu'à 6, 7, 8, 9, 10 mètres pour des cas extrêmes. Alors, ce n'est pas un tube lumineux de 10 mètres, hein, d'accord? Il y a D'accord. un tube central électrique. Et après, il va y avoir tout un tas d'effets qui vont se faire autour. D'accord. Donc le canal central, celui qui parfois produit des fulgurites, pour en dire deux mots, dire ce que c'est aux gens, là on est sur 5-15 cm. Oui, voilà, Alors jusqu'à 20 cm. c'est quoi la fulgurite? Alors, les fulgurites, c'est tout simplement c'est du verre très pur. C'est du verre très pur, en fait, ce sont des substrats qui sont produits par la foudre lorsque les hautes températures vont passer instantanément dans du sol très riche en silice. Du sable, par Du exemple. sable, d'accord. On trouve, sur les plages atlantiques, on n'en trouve pas dans les déserts du Sahara ou autre. Hein. On en trouve en France régulièrement. C'est comme un serpent de verre grisâtre, parce que du verre très pur n'est pas transparent, avec à l'intérieur une partie carrément vitrifiée, c'est troué à l'intérieur, c'est creux. D'accord. Bah, allez sur Google Images ou sur un moteur de recherche plus sympa et tapez fulgurite. Vous aurez voilà l'idée de quand la foudre s'imprègne dans le sable ou dans la matière, c'est assez amusant. Elle est sur Comment? l'eau.
nommé populairement pierre de foudre. Pierre de foudre, c'est ça. Bah, fulgurite, c'est ce que ça veut dire. La puissance moyenne de l'éclair qui tombe, j'ai trouvé 500 mégajoules. Je ne sais pas à quoi ça, enfin, si c'est ça ou pas d'ailleurs. Et à quoi ça correspond? Est-ce qu'on a, pour donner une échelle par rapport à la consommation électrique qu'on peut avoir dans une maison, on Alors, compare un peu ouais. l'énergie qui est mobilisée. Il y a déjà une première chose, c'est que c'est très bref, hein, on est d'accord? C'est très très bref. Donc, tout rêve de récupérer tout ça, il faut commencer un petit peu à l'oublier, il faut être sérieux. Première, parce que c'est vraiment très très bref. Maintenant, en instantané, ouais, on va arriver à des valeurs. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme échelle de façon à ce que tout le monde puisse comprendre? Ce serait en gros. Allez, pour un coup de foudre moyen, une bonne vingtaine de nos réacteurs équipant les centrales nucléaires, donc à peu près 20 réacteurs qui tourneraient à plein régime simultanément. Donc c'est beaucoup, mais un peu de temps. Mais en très très peu de temps, donc c'est sûr que sur l'instantané, ça va provoquer de gros dégâts. Alors parfois, nous qui sommes sur le terrain, on voit des coups de foudre très très forts qui ne provoquent quasiment aucun dégât. Et après, vous allez avoir un coup de foudre, mais alors très mineur, et qui, lui, vont provoquer de bien plus impressionnants. Il n'y a pas de règle là-dessus. Il n'y a pas de règle. Après, ça dépendra également, comme vous l'avez dit en préambule, si certains phénomènes vont rester plutôt en contention dans le canal de la foudre, ou alors vont, pour des raisons X ou Y, ne pas pouvoir être forcément fermés. D'accord. Bon alors, du coup, il y a toute cette énergie condensée dans très peu de temps, bon, donc c'est pas exploitable. Mais alors, j'ai évoqué dans l'intro qu'il y avait des réactions de haute énergie, alors photonucléaire, des rayons X, des rayons gamma, des antimatières. Donc là, c'est le moment où vous nous expliquez comment on le sait d'abord, comment on l'a su, est-ce que c'est vieux comme info, est-ce que c'est récent? Et pour les gens qui comprennent rien à la physique, ce qui se passe en gros, pour qu'on comprenne de loin. En gros. Alors, est-ce qu'on sait depuis longtemps? Non. Depuis les années. Alors, il y en a quelques-uns qui ont émis des hypothèses. C'était en regard des dégâts qui parfois étaient incohérents par rapport à une simple, et vous m'excuserez du terme, et banale décharge d'électricité atmosphérique. Donc, ça, c'était dès le milieu des années 40, début des années 50. Des hypothèses ont été émises, en France d'ailleurs. Par rapport au fait qu'il puisse y avoir, et puis à l'époque il y avait eu aussi l'avènement de l'atome, etc., les bombes atomiques, donc on s'est dit, tiens, il y a peut-être des choses qui seraient à prendre là-dedans. Et puis c'était resté un peu dans l'oubli. Et en fait, au milieu des années 90, il y a eu deux phénomènes importants. Le premier, c'est déjà la navette spatiale à l'époque, donc depuis la soute, ils ont photographié des phénomènes très bizarres au-dessus des. C'est pas du tout des flashs d'éclairs, c'est maintenant des phénomènes qu'on connaît, qu'on a identifiés, qu'on appelle des sprites. Donc ils ont photographié ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Farfadet. Peut-être qu'on ne connaît pas. Et en 94, il y a un satellite également qui a commencé à détecter des rayonnements gamma extrêmement importants. Et là, en fait, les expériences ont été menées essentiellement en 2007, 2008, 2009, et c'est en 2009, en fait, où le télescope spatial Fermi. Alors, il y a des gens qui connaissent que Hubble, mais Fermi était destiné à travailler sur les sursauts gamma stellaires, qui en fait a été utilisé pour détecter d'éventuels sursauts gamma dans les orages. Et ça a été effectué au-dessus de l'Afrique quasiment équatoriale. Là, il y a eu grosse surprise, puisqu'il y a eu détection non seulement d'un sursaut gamma extrêmement important, mais ensuite, après, il y a eu lorsque ce rayonnement gamma a touché les installations de Fermi, on le suppose comme ça à l'époque, ils l'ont supposé comme ça, la séparation du électron-positron et donc la production d'antimatière, que maintenant on connaît, puisque le chaînage complet à l'heure actuelle a été publié par exemple par nos collègues de l'Université de Tokyo. Alors ça, ce n'est pas que eux, hein, c'est les Japonais, c'est les Italiens, c'est les Espagnols, il y a le Portugal qui est partie prenante, et il y a les États-Unis, bien évidemment. D'accord. Voilà. Donc, Alors là, dans une décharge de. voilà. Donc, dans la foudre normale, celle qui est classique. Alors, est-ce que c'est celle dont on parle sous un cumulonimbus, ou est-ce que c'est des foudres entre les nuages plus haut où on a ces rayons gamma? Alors, l'essentiel de ces manifestations-là sont upside, elles sont au-dessus.
en fait, Ouais. de la canopée de l'orage, au-dessus de l'enclume, d'accord? Donc, on va dépasser de loin la troposphère. De toute façon, l'orage va culminer à la limite troposphère-stratosphère. Donc, on va monter très, très haut. Les phénomènes les plus hauts que les orages puissent émettre, on est à des altitudes de l'ordre de 150, parfois 170 km. Okay? Ça, c'est une première chose qu'il faut savoir. Mais malgré tout, dans la base de l'orage, on aura quand même un petit peu d'émission de rayonnement X. On aura un petit peu de gamma, pas trop, parce que le gamma, c'est très, très dangereux quand même. Voilà. L'essentiel de ces flashs gamma, d'ailleurs, l'équipe américaine, c'est le Goddard Space Flight Center, et puis toute l'équipe de Joseph Dwyer aux États-Unis, Joe Dwyer, c'est sur le site de la NASA, les gens peuvent aller consulter. Là, ils auront tous les phénomènes qui ont été enregistrés, donc antimatière, rayonnement gamma et tout, et ça fait 10 ans. D'ailleurs, je me souviens, c'était en 2011, donc 9, 10 ans, voilà, 3 ans après quasiment la découverte, Le Monde, le journal Le Monde, sans pouvoir faire publicité, avait fait un entrefilet en parlant d'antimatière produite dans les orages. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que à l'heure actuelle, moi, j'ai des collègues, j'ai des camarades qui n'ont jamais entendu parler de ça. Bah oui, c'est étonnant. Donc, peut-être qu'on l'a déjà dit, mais on va le redire parce que peut-être que j'ai pas compris. Donc, l'antimatière, elle intervient quand dans le processus? Je suppose qu'elle a pas, Intervient. elle a pas une durée de vie très longue. Donc, il se passe, c'est quoi Alors, le voilà. on a le pic avec l'émission de rayonnement gamma qui va être extrêmement importante. Et lui, Donc, il vient d'où ce rayonnement gamma? Il est produit par l'éclair? Il vient d'ailleurs? C'est quoi? le travail consistait aussi, il y avait un travail là-dessus. Nous, on s'y est un petit peu, vous m'excusez du terme un peu populaire, mais on s'y est collé à ça. On s'est dit, la première question, alors déjà, c'était quand même une petite révolution, et on s'est dit, mais quel est le type d'éclair qui peut produire Oui. ce phénomène au-dessus? Parce que il y a à peu près 8 à 10 millions d'éclairs qui sont générés. Or, ces flashs gamma, par tranche de 24 heures, on sait qu'il y en a à peu près 5 à 600. OK. D'accord? On n'a pas 8 à 10 millions de flashs gamma. Ah non. Donc, il fallait savoir quel était ce type d'éclair. Et on sait maintenant, avec les travaux menés au cœur des orages, après, il faut faire correspondre avec ce qu'il y a au-dessus, bien évidemment, et ça, c'est un travail hyper intéressant, vraiment un travail d'équipe. On sait que c'est un certain type d'éclair aussi qui va produire ce genre de phénomène. Ce n'est pas tous les éclairs. D'accord. Et donc, on a un éclair qui produit un rayon gamma, et le rayon gamma, il va créer des positrons. C'est ça? Voilà, tout à fait. Il va créer des positrons. Donc, et là, on va avoir de la production d'antimatière, ce qui a été aussi. C'est une application assez géniale dans le sens que c'est quand même un télescope spatial Fermi. Les gens de l'équipe de Fermi, là, qui était destiné purement à du sursaut gamma stellaire, hein, qui est aussi très intéressant, et qui a servi à de la détection de sursaut gamma orageux. D'ailleurs, nous, les Français, enfin, c'est une coopération, on devait lancer il y a quelques mois Taranis. Tonnerre, oui. Et lui, il était vraiment destiné, alors pour ça, mais aussi pour les phénomènes lumineux, les sprites, etc. C'était une mine, ils auraient ramené une mine d'informations qui aurait changer énormément de choses dans la décennie à venir, et malheureusement, il a éclaté en vol avec l'explosion de la fusée Vega en décollage. Des fois ça veut pas, hein, quand ça veut Ah pas. ben, il y a des fois. Et donc du coup, ce positron, on dit qu'il était mis, mais il va pas avoir une grande durée de vie vu qu'il est entouré de matière. Et donc pour finir la boucle, qu'est-ce qui se passe une fois que ces positrons sont émis dans l'éclair? Bah après, de toute façon, alors, c'est au-dessus, hein, Oui, d'accord, de la au-dessus du canopée. dénivelage. Oui. Le positron ensuite sur sa lancée se perd de toute façon et puis l'émission redescend très très vite. Pour les gens qui sont intéressés par le phénomène, si vous allez sur le site de Dwyer et de son équipe, donc qui est sur un site de la NASA directement, hein, tapez TGF, TGF avec un petit slash, ce sont les phénomènes lumineux orageux transitoires et puis tous les phénomènes gamma dans les orages. Vous verrez qu'on a le pic de sursaut gamma, on a un champ électromagnétique extrêmement intense qui est également émis à ce moment-là. On a la séparation du couple avec la production du positron. Et puis, hop, ça chute très, très, très rapidement. Et puis, c'est la disparition. Après, ça se perd. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a des crédits qui sont engagés, mais pas à la hauteur de ce qu'il faudrait, bien évidemment. Je reviens un peu sur Taranis, sur l'épisode malheureux de Taranis, mais il faut absolument qu'on en sache plus. Donc voilà, et là pour le coup, c'est des équipes hyper spécialisées qui travaillent là-dessus. On est à la frontière totalement consanguine entre cette partie de la foudre qu'on ne connaissait pas et la cosmologie pure.
Donc voilà, donc il y a plein de choses extrêmement récentes, c'est-à-dire que la foudre, le tonnerre, c'est aussi vieux que le monde, ça a toujours été dans les considérations humaines, hein, mais ça fait moins de 50 ans qu'on connaît l'existence des farfadets, des elfes, des geais bleus et des geais géants, donc là j'ai lancé les mots, des trucs qui se produisent au-dessus des nuages d'orage, donc à des altitudes qui peuvent monter très haut, des phénomènes qui sont parfois extrêmement transitoires, vous allez me dire que la durée de vie se compte en millisecondes, et malgré tout, on a réussi, enfin, du coup, on a mis du temps, mais on a fini par les voir, on les a filmés. Alors, c'est quoi, hein? Vous avez évoqué les sprites, c'est leur nom anglais, mais donc en français, c'est des farfadets. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Parce que j'ai lu, pour la description, c'était sur Wikipédia, la phrase est magique. Ils ont une forme de méduse, de 1 à 50 km de large, dont les filaments surmontés d'arcs pendent en direction de la Terre, on dirait Cthulhu, quoi, et se forment entre 80 et 150 et 145 km d'altitude pour descendre vers les 40 km. Enfin, c'est l'air d'être des monstres absolus. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? C'est énorme, on en a même des plus gros. Il y en a qui s'appellent des elfes. C'est une espèce d'anneau. On Oui. dirait, oui, un anneau. Il peut mesurer jusqu'à 500 km de diamètre. Mais c'est complètement Non, fou. On a c'est découvert ça lumineux. récemment? Oui, alors, les elfes, ils ont été découverts, si je me souviens bien, c'était en 96-97, durant ces campagnes d'observation. Alors attention, ils sont très très brefs. Là, je reviens pour les sprites, hein, les fameuses méduses dont vous parlez. La couleur est rouge, déjà, on est dans de l'ionisation. C'est pour ça que pour nous, c'est aussi intéressant de mener des missions d'observation des aurores boréales, des aurores polaires, si vous voulez, parce qu'on arrive aux mêmes altitudes et on a la même colorimétrie. Donc, c'est dans les mêmes régions que ça se passe. Vous voyez? Donc, ça, c'est très intéressant. Vous parliez de la durée. Effectivement, c'est quelques millisecondes, mais il faut savoir aussi qu'il y en a parfois qui dure un peu plus longtemps. On a déjà eu des sprites qui atteignaient le quart de seconde, voire un petit peu entre la demi et le quart de seconde. Ce qui fait qu'à ces valeurs-là, le phénomène devient, dans des conditions extrêmement bonnes, mais devient visible à l'œil nu. Du sol. Ouais. Actuellement, nous, on a par exemple des collègues. Alors, ça n'a rien à voir directement avec la foudre. Vous savez, c'est une discipline qui est très pluridisciplinaire. D'ailleurs, cette année, dans le Cantal, on fait le. Alors, ce sera en numérique et on ne va pas le faire en présentiel, mais on va faire le troisième symposium international sur la foudre et les phénomènes orageux. Et on aura normalement des gens de cette équipe qui vont venir. Ce sont des anthropologues qui bossent en Australie, ce sont des collègues australiens, et qui, eux, ont retrouvé des pictogrammes, en fait, aborigènes. Visiblement, des dessins, ils dessinaient des nuages et ils dessinaient ce genre de méduse au-dessus. Voyez? Alors, ils se sont dit, mais est-ce que ce serait possible que ce soit ce type de phénomène que, à l'époque, ils le voyaient du fait des meilleures conditions d'observation que maintenant? Bon, on n'en sait rien, la question reste à trancher, mais en tout cas, c'est quand même, ça laisse un petit peu songeur et on se Mais dit, ben, disons pourquoi pas? que ouais, ce que ça montre, Oui, c'est qu'il y a des phénomènes qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre, donc ça ouvre des portes et on dit bah soyons pas bêtes et ouais. évitons de penser que rien n'existe, soyons ouverts. Alors, mais donc les elfes, on évoquait que c'est des formes d'anneaux parce qu'en fait c'est un phénomène en forme de sphère mais qui rencontre une couche de l'atmosphère particulière, donc du coup quand les deux sont en intersection, ça fait des anneaux et ça peut être très très grand. Et là, c'est quelle couleur? C'est rouge aussi, je crois. Enfin, c'est divers. C'est rouge, on peut tirer sur le violet. On va monter encore un petit peu plus. On va tirer sur le violet. Et oui, en fait, c'est un anneau, on dirait en fait l'anneau de Saturne, mais sans Saturne. Voilà, tout D'accord. simplement. Pour faire très simple. Et les plus grands qui ont été mesurés, 500 km. C'est colossal. Il faut bien vous imaginer, pour nous qui travaillons sur les orages, moi je vous ai dit, ça fait 3 décennies. Il y a 20 ans, on se disait, bon, allez, on travaille sur cette petite surface que tout le monde peut voir. Maintenant, quand on est sous un orage, quand on est au cœur d'un orage, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer tout ce qu'il y a au-dessus, quoi. Au-dessus, il y a les jets bleus et les jets géants. Alors, pareil, qu'est-ce que c'est? Alors, du coup, ils sont plutôt bleus, ceux-là. Mais à part ça, c'est pas très Oui. parlant. C'est quelle taille, c'est quelle fréquence et c'est quelle durée? Alors, des jets bleus. Un jet bleu, ça va partir directement. Par contre, là, autant le sprite, on ne voit pas la connexion avec le nuage, d'accord? L'orage? C'est pareil pour lui. Mais autant le jet bleu, on le voit carrément sortir du nuage. Enfin, on le voit. Oui, on le voit. Ils ont des durées de vie qui sont parfois longues, hein. Plus longues en tout cas, et qui vont monter aussi très haut. Alors, On a une petite perte du signal. Peut-être que c'est l'orage, je ne sais pas, on a perdu Monsieur Piccoli. Mais jusqu'à alors, ça a 5 km. coupé complètement.
On va reprendre. Vous disiez que ça avait une durée un peu plus longue. Donc moi, ça peut durer jusqu'à une seconde, ce jet bleu, et c'est connecté au nuage d'orage. Et donc ensuite. Oui, c'est vrai. Et alors, le jet bleu, on va avoir aller jusqu'à 5 km de diamètre, jusqu'à 50 km de hauteur. De diamètre, combien? À peu près 5 km. 5, c'est beaucoup Ouais. déjà. Et ça, Un peu. on le voit à l'œil nu. Parce que, si c'est une seconde, on doit pouvoir le voir après Alors, une une seconde. seconde, c'est impossible à manquer, mais vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pour observer ces phénomènes, il ne faut pas du tout être sous l'orage, bien évidemment, et il ne faut Eh pas oui. être proche. Nous, par exemple, dans le département du Cantal, on a fait des observations là-dessus. En fait, ce n'est pas le propos, on essaie de ramener du data, mais voilà. Le plus facile à avoir, enfin le plus facile, ce sont les sprites et les jets bleus géants. Il faut savoir qu'il faut être au moins à 300 km de l'orage. Parce qu'il faut bénéficier justement de la rotondité de la Terre pour avoir les hautes altitudes. Alors, plus l'orage est loin, au mieux on va pouvoir observer. L'idéal, c'est un orage qui est situé entre 400, 500, 600 km, quoi. Donc, faut savoir où viser et s'y attendre Oui. pour le voir. Est-ce qu'il y a d'autres formes? On va arriver à la foudre en boule juste après, mais est-ce qu'il y a d'autres formes de foudre non consensuelles dont on se dit, tiens, ça doit exister, où il y a on en parle, soit très haut, soit très bas, qui pourraient être confirmées dans l'avenir? Alors, pour l'instant, le bestiaire, comme on l'appelle affectueusement, le bestiaire des phénomènes lumineux transitoires, je dirais que sur un rétexte allez, 20 ans en gros, avec les 10 dernières années vraiment très serrées d'observation, je peux pas dire qu'on ait fait le tour, mais on a déjà une bonne idée de ce que l'on peut trouver. D'accord. Alors, venons-en au phénomène de la foudre en boule. Donc là, on a bien compris que on découvrait encore des choses. Donc c'est pas étonnant que ce phénomène-là pose encore question. Vous avez évoqué des pétroglyphes qui datent d'il y a 3000 ans. Au tout début, enfin, je sais pas, peut-être pas vous l'avez pas dit, en tout cas, quand on a préparé l'émission, on en a parlé. Il y aurait les témoignages aussi vieux que ça, c'est-à-dire qu'il y a des dessins où on voit de l'orage et on voit des formes sous forme de globes ou de boules. Et selon certains, ça pourrait être un témoignage préhistorique, en tout cas très ancien, de la foudre en boule. Est-ce que Alors, ça, c'est solide? les pétroglyphes dont je vous ai parlé, c'était surtout pour les sprites et les jets bleus, en Oui, fait. c'est différent quand même. Là, c'est autre chose. Mais par rapport au témoignage purement foudre en boule, alors là, on redescend au niveau du sol et au niveau atmosphérique, d'accord? On redescend, on repasse sous l'orage. Ouais, on a des phénomènes, mais alors après, c'est très problématique parce que au niveau de la foudre en boule, il ne faut pas non plus que ça sorte comme un espèce de lapin du chapeau pour tout et n'importe quoi. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si vous lisez un écrit, une archive qui a été écrite il y a 1500 ans, voilà. Et puis vous savez, c'était des époques aussi où on le mêlait beaucoup avec le religieux. Et voilà, donc c'est très problématique si vous voulez. C'est intéressant d'un point de vue culturel, mais pour nous, par exemple, c'est pas que ça n'a aucun intérêt, mais ça n'apporte rien au moulin, quoi. Mais en tout cas, les plus anciens, si on veut vraiment s'y pencher et se convaincre que c'est ça, que c'est en tout cas de ça dont on parle, ouais, c'est à peu près 1500, 1600 ans. Maintenant, on a des écrits du Moyen-Âge qui font état de phénomènes durant des orages. Alors là, c'est beaucoup plus ciblé, d'accord? Avec des phénomènes que l'on retrouve maintenant. Quand on vous dit, par exemple, voilà, en plein orage, effectivement, on vous met parfois le malin. Le diable s'est infiltré par la fenêtre avec une boule jaune qui crépitait et qui a enlevé tous les objets métalliques, par exemple, qui étaient dans la pièce. On sait déjà que c'est raccord avec des manifestations que l'on trouve maintenant. Donc, il y a eu une partie, un versant religieux de la manifestation parce qu'ils l'ont identifié comme tel, mais le fond, lui, pardon, du phénomène est très proche de la foudre en boule. D'accord. Alors, parmi les témoignages, on va dire plus modernes, en tout cas à des époques où on a des témoignages, des données, des choses et on peut dater, on a ce fameux monsieur George Richman Ah oui. à Saint-Pétersbourg, et c'était un 26 juillet, donc c'est presque l'anniversaire en 1753. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre monsieur? Alors, son accident a eu lieu le 6 août Il y a 1753. deux calendriers à l'époque, entre Grégorien et du coup, je ne sais pas quelle date. Moi aussi, alors vous savez ce que j'ai fait? J'ai tranché et ben, c'est bien, on a les deux arguments comme ça. En tout cas, c'était durant l'été 1750. Ben voilà. Ouais, c'est plus simple.
Alors, Richman était un physicien amateur, mais à l'époque hyper passionné. Il avait son cabinet de curiosité, et puis lui, tout de go, passionné par les expériences de Franklin, Benjamin Franklin. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans son cabinet de curiosité, il a fait creuser en fait les deux étages. Il a fait un trou au milieu des pièces. Il a mis une grande tige métallique sur le toit de sa maison. Il y a accroché une chaîne et il a fait passer cette chaîne. Ben, surtout que la hauteur de sa maison. Il partait à l'Académie des sciences ce jour-là, à une des séances, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il voit l'orage qui arrive. Un orage arrivé. Il s'est dit, non, non, je ne vais pas à la séance de l'Académie, je vais voir si ça donne quelque chose, mon expérience. Il va vite chercher son... Il n'y avait pas son photographe à l'époque, hein. Donc il va chercher un graveur, un dessinateur, pour immortaliser s'il se passait quelque chose. Il s'appelait Sokolo. Et il arrive dans la pièce avec le graveur qu'il est allé chercher, ça commence à taper un petit peu de tous les côtés au niveau orageux. Et là, à un moment précis, la foudre a frappé, ce qui devait arriver arriva, la foudre a frappé la tige sur le toit, qui était un véritable paratonnerre, voilà, installé. Sauf qu'au lieu de le relier à la terre, c'était relié pour passer à l'intérieur de sa maison. Et il s'est approché de la chaîne à ce moment-là. Il y a eu une effluve bleutée qui est sortie, un globe bleuté d'ailleurs, de cette effluve est sorti. Ça s'est allé le frapper directement à la tête. Ça l'a tué net. Il a été tué sur le coup, alors que son graveur a été fortement traumatisé. Puis il avait des dégâts corporels et ainsi sur les vêtements, des vêtements qui étaient Donc partis en couilles. ce que j'ai vu, c'est que bon, la pièce a été un peu ravagée, la porte a été défoncée, et ce pauvre monsieur Sokolo, il est lui-même dans les vapes, donc il s'est réveillé plus tard, et c'est lui le seul témoin. Oui, alors il y a ça d'une part, il y a aussi autre chose. D'ailleurs, la gravure que vous avez prise pour annoncer le milieu de l'émission, il y a aussi une chose qu'il faut C'est donc. savoir, c'est que la foudre en boule, dans une plus qu'une écrasante majorité sur les centaines de cas qu'on a pu avoir, alors nous-mêmes, les auditions qu'on a faites, mais il faut savoir aussi que nous qui travaillons au cœur des orages, alors pas que nous au laboratoire, hein, mais j'ai beaucoup de collègues, enfin beaucoup, la communauté des gens qui passent. Scientifiques, on va dire professionnels, qui travaillent sur les phénomènes orageux sur le terrain, on n'est quand même pas des masses non plus. Hein. Au niveau international, on est à peu près 150. Bon, il n'y en a aucun qui ne l'a jamais vu au moins une fois. Moi, en 30 ans, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, pas de très près, bien évidemment, mais d'avoir aperçu, pas une rémanence de quelques secondes, d'avoir aperçu quelque chose qu'on a pu. Voilà. Cerné. Et on est toujours à plusieurs. Et puis on a le matériel maintenant qu'il faut pour capturer les images. Mais on a un doute en fait avec cette affaire de Richman. Oui, parce que... Pourquoi? Parce qu'en fait, les dégâts ne sont pas cohérents avec l'écrasante majorité des cas de foudre en boule où, pour la plupart du n'y a temps, pas de dégâts. il n'y a quasiment pas de dégâts. C'est ça, Exactement. ouais. On a peu également, mais très très peu, donc, historiquement parlant. Et même maintenant, on a très très peu de victimes. Vous voyez, il y a encore eu de très très gros orages ces jours-ci. Donc au labo, on a reçu deux témoignages spontanés de la part d'une famille qui était chez elle. Donc ils ont eu des choses très impressionnantes à l'intérieur, mais aucun dégât et aucun problème corporel. Et les autres, pareil, c'était bon, c'était Parce que ça, aussi c'est des gens. voilà, c'est une des grandes questions, c'est dans quelle mesure c'est dangereux, pas dangereux, parce que les gens s'inquiètent. L'histoire de Richman fait peur, parce qu'on dit bah, la foudre en boule lui a tombé dessus, ça l'a tué. Et d'un autre côté, vous venez de le dire, on a plein de témoignages de gens qui l'ont vu de près, et il n'y a pas de C'est dégâts. pour ça que pour Richman, je vous le dis, hein, on a un gros doute. On a un très gros doute. Nous, on ne pense pas que c'est la foudre en boule qui l'a tué. Alors Pourquoi? c'est Parce que. l'exemple le plus connu, et c'est celui dont il faut douter, c'est ça? Et tout simplement parce qu'en fait, ce n'est pas une invention, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un fait, ce n'est pas ça le problème. Le problème est que cette chaîne passait au milieu de la pièce. On n'y était pas, hein, ni vous ni moi, ni étions, c'est de la pure spéculation. Mais si on déduit un petit peu les choses avec le retour d'expérience. Il y a que Richman était à quelques dizaines de centimètres de cette chaîne et on sait maintenant qu'on peut avoir du foudroiement de différentes façons, y compris avec une ionisation de l'air, voire parfois ce qu'on appelle un foudroiement par induction. D'accord? Et cette ionisation de l'air, on a très bien pu avoir une espèce d'effluve. On en a déjà vu, hein? Moi ça m'est arrivé, ça nous est arrivé une fois on travaillait sur un orage, on était en Oklahoma et on voyait des petites lumières comme ça, c'est pas des traces, c'est vraiment des effluves. Alors, c'était une super cellule, ça tapait très très fort, c'était vraiment très dangereux. Et à un moment,
on s'est demandé, on avait des petites lumières, on aurait dit que quelqu'un avait mis une lampe de poche très très bleue au-dessus de la voiture, et en fait, on a regardé, et on avait une antenne de toit, mais très courte, hein, qui devait faire 15 cm, et là, on n'avait pas un petit arc électrique, non, c'était un espèce, on aurait dit, un, ouais, comme un sprite, mais en très réduit, une espèce de méduse, Est-ce qui que s'allumait, des effluves bleutés. c'est ça les feux de Saint-Elme? C'est de la même famille. Hein, c'est quand il y a des champs électriques très épais. De toute façon, à part que les feux de Saint-Elme, c'est plutôt verdâtre en règle générale. D'accord. D'accord? Et puis ça émet un bruit un petit peu particulier aussi, parfois, C'est pas creepy. toujours. Bref, quoi qu'il en soit, pour l'affaire de Richmond, si vous prenez le stress, le bruit que ça a fait, et surtout tous les dégâts qu'il y a eu sur le mobilier et dans la pièce, c'est peu cohérent pour nous avec un cas de foudre en boule. On pense, nous, plutôt qu'il a été victime d'un foudroiement ou par induction ou par une effluve de ce genre qui l'a frappé en pleine tête, tout simplement. C'est sa tête qui a fait effet de pointe dans la pièce même, et puis son graveur, Socolo. Et vous savez, vous êtes surpris, le stress, et puis vous avez ce trait bleu qui sort. Oui, Pas évident à trancher, on peut pardonner aux gens de voir des choses hein. dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Je fais une toute petite pause avant de qu'on rentre dans la définition, etc., du phénomène pour vous dire que ce soir, c'est le dernier live de la saison, puisqu'après, ça sera. Alors, il y aura peut-être un live vite fait comme ça, mais on va rien programmer parce qu'il faut que l'équipe se repose. D'ailleurs, Vled est en vacances, bisous Vled. Lise est en vacances, bisous Lise. Elle a quand même aidé Corentin à s'assurer que tout fonctionne. Donc, c'est Corentin qui est aux manettes ce soir. Donc, des piqueurs dans le chat pour Corentin qui gère tout. Mais ma foi, tout va bien. Alors, il y a des problèmes de son chez Monsieur Piccoli, mais c'est la connexion qui veut ça. C'est pas notre faute. On ne peut pas faire mieux. Donc, si vous n'êtes pas content, bah, barrez-vous. Et si c'est supportable pour vous, bah, on vous aime. Qu'est-ce que je dois vous dire? Donc, le programme de la rentrée, on vous le dira bientôt, évidemment. Il y aura quand même des choses cet été, mais il n'y aura pas de live, de tranche live, ni de bénéfice du doute. J'ai pas de bouquin, vous. Ben non, ben c'est tout. C'est tout ce que je vais à vous raconter. On va revenir sur le cœur du sujet, sur comment on définit. C'est-à-dire qu'on a évoqué tout à l'heure le fait que est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre dans un même sac des phénomènes extrêmement courts de moins d'une seconde et qui bouge et des phénomènes très longs, lointains et statiques. Donc vous avez, vous, des catégories, mais qui les a créées, ces catégories que vous avez évoquées tout à l'heure? C'est une création pure maison. Ces maisons. Ah ouais. On a en fait enregistré, alors maintenant elle a un petit peu évolué, sur 16 années, on a catalogué 416 cas au total. Voilà. Donc ce sont des cas qui ont été, comment dire, qui ont été enregistrés avec un protocole derrière. Hein. C'est Donc pas comme c'est ça en qu'est. France, ça c'est votre équipe 416? Non. J'allais vous dire oui, en France, non. Mais il y en a à peu près 8 à 10% qui sont pas français. D'accord? Mais on a essayé quand même de mettre le maximum de cas français. Oui, c'est ça, c'est l'équipe. On a chez nous quelques enquêteurs, on en a quatre qui sont des gens spécialisés, qui sont d'ailleurs des gens qui sont bénévoles chez nous, qui sont formés à ça, puisque ce sont des gens qui, dans leur métier de tous les jours, sont des officiers de police judiciaire, en fait. Donc, ils sont rompus, j'allais dire, pas aux, enfin, Ils sont rompus. Non, c'est les gens en face qu'ils ont rompus. C'est pas les mêmes. voilà, Pardonnez-moi. j'allais dire aux interrogatoires, c'est pas un interrogatoire, hein, c'est une aimable discussion. Alors, c'est basé aussi sur de l'entretien qu'on appelle cognitif, hein. Oui. On est très, très similaire de ça avec les techniques du GEPAN, par exemple. Tout à fait. Il faut pas orienter la personne. Et d'ailleurs, notre typologie visuelle, on n'a pas fait grand état en dehors des labos, des collègues qui maintenant l'ont adopté. Pourquoi? Parce que c'est aussi pour ne pas orienter forcément le témoin. Oui, Vous mais justement, savez, l'être. on va revenir sur les catégories, qu'on comprenne un peu, parce que alors, si c'est fait maison, moi, en tant que sceptique, je vais râler, mais il me faut, mais comment vous savez que c'est pertinent? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres équipes autour de vous parce que la France est petite. Quand je dis c'est fait maison, à un moment, il faut bien que quelqu'un s'y colle. Ben, Donc, on a d'accord. synthétisé nos travaux et ceux de collègues et partenaires. D'accord? Ouais. C'est pas nous qui, tiens, on va répondre comme ça. Il faut qu'il y ait une collégialité, il faut qu'il y ait une entente sur tout le monde, et il faut qu'il y ait une cohérence, et surtout, il faut quand même qu'il y ait, même si le sujet est hyper à l'ouest du protocole scientifique pur et dur habituel, parce que si on gardait le protocole scientifique pur et dur habituel en se disant
On ne travaille que sur des choses qu'on reproduit, on ne travaille pas sur la foudre en boule. C'est clair. Mais C'est très clair. je suis pas sûr que enfin, c'est pas un critère de scientificité. La reproductibilité, c'est un des critères, mais c'est pas central. Ah, Mais donc, mais oui. est-ce qu'il y a d'autres équipes autour dans le monde qui ont d'autres typologies? Ou est-ce que et la vôtre, elle date de quand? Et est-ce qu'on peut espérer que du coup elle fasse école? Est-ce qu'elle est récente? Est-ce qu'elle est ancienne? Elle a été publiée après, je vous l'ai dit, pratiquement 15-16 ans. Elle a été publiée en 2015 et déjà, là, cette année, on a une nouvelle version. Elle a évolué. On a remis une petite case, on a rajouté parce que on a eu de nouveaux témoignages qui sont arrivés, particulièrement des témoignages aéronautiques. Voilà. C'est-à-dire? Donc, on l'a divisé en trois catégories. Je vous l'ai dit, il y a la foudre en boule. Okay, Voilà. on peut y aller là-dessus, ça c'est le terme générique. La foudre en boule, c'est quoi? Cette première catégorie, c'était très important. C'est le phénomène qui va durer seulement quelques secondes et qui va avoir un diamètre très faible et puis bon, qui va être évanescent, il va disparaître de vous tout de suite, généralement à l'intérieur. La deuxième catégorie, c'est la foudre globulaire. Vous voyez, on a vraiment découpé. La foudre globulaire, on va y rentrer dedans les phénomènes qui ont une durée de vie beaucoup plus longue, de l'ordre de plusieurs minutes, qui vont se déplacer sur de grandes distances. Plusieurs dizaines, voire parfois plusieurs centaines de mètres, et qui vont être d'un diamètre supérieur à une dizaine, douzaine, quinzaine de centimètres. Et après, on a une troisième catégorie là-dedans, qui s'appelle le PLOT, le phénomène lumineux orageux transitoire, et qui va être celui-ci Plot twist. quasiment toujours au niveau atmosphérique, qui va s'apparenter à des phénomènes de petites aigrettes. Ça peut être aussi une espèce de brume lumineuse. Hein, c'est particulièrement cette catégorie, par exemple, où on va pouvoir travailler sur la mixité avec les phénomènes aérospatiaux non identifiés. D'accord. Bon, nous, là, moi, on m'a par exemple reproché, on m'a dit, ah ouais, alors maintenant, avec cette échelle, c'est bon, vous allez pouvoir classer tous les phénomènes OVNI. Comme ça, à chaque fois qu'il y aura quelque chose de lumineux dans le ciel, vous direz, hop, c'est la foudre en boule, c'est un phénomène lumineux orangeux transitoire. Ce à quoi j'oppose toujours, bah, non, pas du tout. Encore une fois, il ne faut pas sortir l'hypothèse foudre en boule à chaque fois comme un lapin du chapeau. En revanche, vous voyez, ça a permis de classer modestement quelques cas seulement en plus. C'est tout, pas plus que ça. Ça a permis d'éliminer des cas qui étaient des phénomènes aérospatiaux non identifiés comme tels et qui ont été classés dans les trois catégories foudre en boule, puisque c'est le terme général. Mais à contrario, ça a permis aussi, à petite échelle, de ressortir certains cas qui avaient été classés en foudre en boule et qui n'en était pas forcément. Parce que Donc c'est moi, pas une volonté. ce qui me pose question, c'est de me dire, ok, ce phénomène lumineux orageux transitoire permet de mettre dans une boîte des choses qu'on tire de la boîte foudre en boule, parce que ça ne correspond pas tout à fait, mais ça ne nous dit rien sur la nature du phénomène. On l'a classifié, Ah mais on n'est pas pendant. mais il faut être très clair là-dessus, mais très très clair là-dessus par rapport à la foudre en boule. On ne connaît pas grand-chose. Moi je vais être très très clair. Alors là, il n'y a aucune ambiguïté. Vous vous rappelez, pour certains de nos auditrices et auditeurs, et puis pour vous-même, il y a, dans les années 80, il y avait c'est pour les vieux ça, hein, il y avait cette fameuse pub qui disait, ça y ressemble, mais ça n'en est pas. On parlait d'une boisson gazeuse. Hein. Ben, la foudre, c'est pareil, ça ressemble à du Le plasma, mais en tout cas, Canada Dry. Donc on va appeler ça voilà. la foudre sèche. Voilà. Le Canada Dry. Ouais, non, ce que je veux dire, c'est que ça y ressemble à du plasma, hein, ce qu'on appelle le quatrième état de la matière, mais ça n'en est pas. Pour qu'il y ait un plasma, il faut qu'il y ait des très hautes températures, par exemple. Or, on n'a quasiment jamais eu de cas de foudre en boule sur des centaines. On a croisé nos dossiers, les plus de 4 centaines qu'on a, nous, le millier qu'ont les Américains, les 600 cas que les Tchèques avaient. On n'en a jamais qui ont provoqué d'incendie. C'est ça, parce que j'ai vu des chiffres qui parlent de 1700 degrés, parce que s'il faut du plasma, il faut au moins être ça. D'accord, ça n'a jamais, ça a été mesuré en laboratoire quand on reproduit une petite sphère. Voilà. Parce que là, on est Voilà. sûr de la nature du phénomène qu'on a sous les yeux, on le reproduit, et là, on peut mesurer des choses. Et dans la nature, bah, si c'est pas vraiment une boule de plasma, ça doit être lumineux, c'est peut-être autre chose, donc là, la température, on la connaît pas. Problème, si le phénomène dure quelques, allez, 2, 3, 4 secondes encore, ce qui est déjà long quand même, hein. Mais quand on a un phénomène qui dure plusieurs minutes, comment est-ce que la réaction, elle s'auto-entretient? Bah, Ça pose. et surtout le quid de la convection, parce que s'il fait 1700 degrés, on devrait avoir des mouvements autour, ça devrait même grimper très vite. On a des cas,
Je peux vous citer un cas. Donc, en plus, là, c'était des gens qui étaient versés, je ne vais pas dire dans le domaine de la foudre en boue, mais en tout cas qui avaient une certaine technicité. C'était une équipe d'EDF. Alors, je vous parle de ça, c'était la fin des années 90. Hein. Donc, là, nous, on a tous nos documents parce que ce sont des gens qui ont déposé auprès de nous, d'ailleurs. Et en fait, ils étaient cinq, donc il y en avait deux qui étaient des ingénieurs, les autres des techniciens à très haute tension. Ils étaient en train de bosser sur des pylônes. Il y a de l'orage qui est arrivé, donc ils se sont dit, on est tranquille, les véhicules sont garés à 50-60 mètres des pylônes, on se met dans les véhicules et puis on attend que ça passe. Sauf qu'à un moment, il y a eu un coup de foudre sur un arbre juste à côté des véhicules. Donc, l'arbre, d'ailleurs, c'est très intéressant ça, l'arbre n'a pas eu de dégâts apparents. En revanche, il y a une sphère qui est sortie, ils savent pas trop d'où, en tout cas dans la zone limitrophe de l'arbre, et qui s'est approchée du véhicule dont l'un des deux avait la fenêtre ouverte. Et donc la sphère s'est approchée des gars, les deux qui étaient dans le camion, et lui c'était en plus un ingénieur haute tension, elle s'est approchée juste devant la vitre qui était à demi ouverte, à quoi? À 40 cm de lui. Et il n'a ressenti aucune chaleur, il n'y avait rien sur la carrosserie. Donc, de telles chaleurs, c'est possible à faire en laboratoire. Nous, on a des collègues de Convectron, là, qui sont aux Pays-Bas. Eux, ils créent des plasmas, mais il faut des énergies d'une part très fortes, mais il faut de très hautes températures. Et si on ne crée pas un milieu favorable, on ne peut même pas avoir l'entretien de la réaction pendant plus d'une demi, voire une seconde. Donc, il y a un souci. Et non seulement comment l'entretien de la réaction se produit, comment elle évolue. Alors elle suit, hein, elle suit les courants d'air, elle suit tout un tas de choses. D'ailleurs, on ne sait même pas vraiment comment elle suit. La seule chose dont on est sûr dans son déplacement, c'est qu'elle ne fait jamais d'angle droit. Oui, d'accord. Ça, c'est les Voilà. ovnis qui font ça. Toujours avoir des mouvements ondulants, mais elle ne va pas faire. Elle ne va pas aller droit comme ça, s'arrêter, faire un break et puis monter d'un coup. Ça n'a D'accord. jamais été rapporté. Je ne vais pas dire qu'on ne l'a pas constaté, ça n'a jamais été rapporté. Voilà, tout simplement. Mais alors, du coup, ça veut bien dire, si jamais c'est le même phénomène qui est concerné par les différents témoignages, ce qui n'est pas encore démontré, mais bon, c'est l'hypothèse la plus simple, c'est qu'il y a moins. Faisons un rasoir de cas, mais disons qu'il n'y a pas trop d'entité et donc une lacune. Ça voudrait dire qu'elle n'est pas chaude, donc que ce n'est pas du plasma. Et ceux qui s'intéressent au plasma, je vous renvoie vers le live qu'on a fait c'était quand, il y a 2 semaines, sur ITER, sur la fusion, parce que eux, ils ont des gros tokamaks, et eux, pour monter en température, il faut beaucoup de travail. Donc, si ce n'est pas du plasma, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse sur la nature du phénomène? Alors, les hypothèses, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Il y en a qui sont, on va dire, entendables, d'autres qui sont beaucoup plus brutes de décoffrage. On a carrément, d'un bout, certains qui vont vous dire, et là, c'est des cosmologistes, hein, c'est pas. Voilà. Alors, ce sont des gens qui se sont emparés un petit peu de la foudre en poule et qui, à juste raison, parce que plus on met à travailler dessus, au mieux on se porte. Après, on verra à synthétiser tout ça et puis à en sortir une petite. L'essentiel qui sera la substantifique moelle, mais il y a des gens qui d'un côté vont vous dire c'est peut-être carrément un espèce de micro-trou noir qui se forme très localement, donc Ouais. on autre chose et on passe dans tout à fait. Voilà. Après, il y en a d'un autre côté qui vont vous dire alors, ça par contre, je ne vais pas dire l'hypothèse, mais on suppose très fortement qu'il y ait un rôle de la silice là-dedans. Silice, tout ce qui est silice, SiO4, etc. Donc peut-être un deep. Petit début d'explication d'entretien de la réaction. Mais en tout cas, ce modèle-là, il tient pour des entretiens de réaction qui vont durer au pire 10 secondes. Mais on n'a pas d'explication pour des entretiens de réaction qui vont durer beaucoup plus longtemps. Et tout à l'heure, quand vous avez présenté l'émission, vous parliez donc de cette partie. C'est normal, vous êtes dans votre rôle de scepticisme en disant, voilà, on n'a pas beaucoup de documents, on n'a pas beaucoup de données. Il faut savoir quand même que. On a beaucoup plus de données qu'on peut l'imaginer, mais que bien des données qui ont été récoltées par rapport à la foudre en boule ne se trouvent pas forcément sur Internet. On ne trouve pas tout sur Internet. Non pas qu'il y ait un secret là-dessus, il n'y a aucun secret là-dessus, bien évidemment, mais parce que, on va dire, les vidéos les plus intéressantes ne sont pas forcément publiées. Ces temps-ci, il y a une vidéo qui fait le tour, peut-être vous l'avez vue, et qui est info.
qui est info, où on voit une espèce de sphère bleue qui évolue sur des voies de chemin de fer. J'ai pas vu. Bon, moi, j'ai des dizaines de personnes qui m'ont renvoyé cette vidéo en me disant, tu as vu, ils ont filmé la foudre en boucle pour la première fois. D'abord, un, c'est pas la première fois. La première fois où elle a été véritablement photographiée, la foudre en boucle, c'est en 1978 au Japon. Donc, c'est pas, il y a un petit moment déjà, d'accord? Hein? Et puis, nos collègues, alors là, c'est pareil, il y a nos collègues chinois qui en ont tiré une spectroscopie, qui ont fait une spectroscopie de la foudre en boucle. À Mais partir de quel type de phénomène? Vie courte, vie alors, longue? vie relativement courte, j'ai plus tout à fait de mémoire, mais je crois que c'est du 7 secondes, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Il y a eu une publication qui a été faite, il y a des publications qui ont été faites. Après, c'est un petit peu compliqué d'accéder aux données. Bon, c'est un petit peu compliqué, on aurait bien voulu en savoir un petit peu plus. Mais c'est pas grave. Et des phénomènes de foudre en boule, on en revient de ce qu'il y a au-dessus, les jets bleus et autres, on en a quand même pas mal. On en a pas mal. Il est écrit par la multitude incroyable, non pas de gens qui peuvent filmer, mais de caméras de vidéosurveillance. C'est ça, parce que, par exemple, les tornades. En France, on a, j'ai pris une note tout à l'heure, entre 40 et 50 tornades par an. Leur durée de vie dépasse rarement les 15 minutes. Et on a des tas de films, donc c'est des phénomènes un peu plus longs, mais quand même assez courts, qui ne sont pas très très nombreux dans l'année. Et ça, on a des preuves. Et on a plein de chasseurs d'orages qui prennent plein de photos. Donc des images d'orages, on en a des dizaines de milliers. Et dans le lot, on n'a pas grand-chose qui a convaincu la communauté scientifique qu'il y a vraiment un phénomène à chercher. Je dis pas qu'il y a rien, mais je dis que de toute évidence, on n'a pas passé le seuil, contrairement aux sprites et autres jets, etc. On n'a pas passé le seuil où les gens se disent, les gens qui s'y connaissent plus que moi dans les phénomènes, disent, ah oui, tiens, là, en effet, il y a un truc qu'il faut qu'on creuse. On en est encore à, on n'y croit pas, de toute évidence. Alors, Ouais, alors, non, on n'est pas juste. Alors, ça, c'était encore valable il y a 20 ans. Il y a beaucoup d'équipes, hein, qui travaillent dessus. Les Américains travaillent dessus. Les Russes travaillent énormément dessus. Mais il faut savoir aussi que qui dit foudre en boule, donc possiblement plasma, dit très haute température, dit possiblement aussi parfois, peut-être des applications militaires derrière. Donc, c'est vrai qu'il y a on une vient de dire qu'il partie n'y avait pas de de température dans les ces. phénomènes. Ce qui est vu sur le terrain, c'est qu'il n'y a pas de température. Mais pour essayer de recréer une sphère, ou du moins, on ne va pas dire une sphère, parce que ce n'est pas toujours une sphère, ça peut être des fois des brumes évanescentes, ils vont essayer de le faire comment? Avec des lances thermiques, avec des combustions à très très haute température, pour essayer de voir Non, s'il y a mais une. Un il y a le rapport. côté en laboratoire reproduction, je comprends bien. Mais moi, je me dis d'abord, avant de vouloir reproduire, il faut dire qu'on comprenne ce que c'est, qu'on observe vraiment les choses. Et là, on n'a pas passé le seuil, de toute évidence. Ah non, non. Pourquoi? Parce que, de toute façon, pour mieux comprendre ce que c'est, il faudrait déjà la mesurer sur le terrain. Les Américains, en ce moment, sont en train d'installer des balises automatisées avec le spectro et tout. Nous, on a trois balises de ce type. Donc, on l'a mis dans une zone où il y a des gens qui nous disent, oh, on voit de temps en temps des sphères lumineuses, etc., quand il y a de l'orage, etc. Bon, ben, ça fait combien? La plus ancienne, ça fait 5 ans qu'elle est là. On a chopé des coups de foudre sur les arbres, etc. Pour l'instant, on n'a rien eu en ce qui concerne la foudre en boule. D'accord. Voilà, enfin, toujours la même chose. Et Hein? donc, on a essentiellement du testimonial et quelques images. On pourra en parler parce que, du coup, vous avez sur le site de votre laboratoire, allez voir labofoudre.fr.com, je sais plus. Il y a. Voilà, .com. Donc, labofoudre.com. Et donc, il y a dans le document des papiers que vous avez publiés, enfin, que vous avez trouvés sur le sujet et que vous partagez avec les gens. Donc, je suis allé voir un peu pour voir un peu ce qu'on a comme. Comme chose. Est-ce que sur le long de l'histoire, sur l'histoire de l'étude des phénomènes, est-ce qu'il y a il y a eu des fakes avérés pour tels? Est-ce qu'il y a eu des fausses pistes qu'on a écartées? Voilà. Est-ce que ça a progressé la recherche du phénomène? Oui, quand même. On a quand même progressé. Alors chez nous, on a très peu de gens qui vont fabuler. Des fakes, on en a peu. Je vous explique pourquoi. Parce que 99,9% des gens, dans leur inconscient, la foudre en boule, soit ils n'y croient pas, enfin on y croit, hein, voilà, ne le conçoivent pas, soit pour eux, ça ne peut pas être autre chose qu'une boule qui va passer, qui va crépiter, comme ben, on dit toujours, comme dans Tintin. Bien sûr. D'accord? Donc quelqu'un qui va, je ne sais pas, on va avoir un temps gris et très orageux, très lourd, on va avoir une ambiance orageuse, avec peut-être même des roulements de tonnerre en lointain, et puis tout à coup, voir une sphère qui traverse la couche nuageuse et qui descend, et puis tout simplement,
un petit peu comme une fusée de détresse qui descendrait ou qui va s'arrêter et va flotter au-dessus des arbres. Elle ne va pas flotter au-dessus des arbres. Les arbres, partant orageux, c'est des points aigus, génèrent des espèces de champs électriques très forts. Donc, ça peut flotter sur ces champs électriques, vous voyez ce que je veux dire, par répulsion. La personne, elle pense à quoi? Elle ne pense pas à la foudre en boule. Elle va se dire, j'ai vu un ovni. Oui. Donc, pour voir des vidéos de foudre en boule, il faut d'abord chercher ovni. Voilà, mais, et donc, et la manière d'aborder, vous l'avez évoqué, hein, vous travaillez avec le GEPAN, la manière d'aborder la question et de traiter les hypothèses, elle va ressembler à la méthode qu'on emploie pour les ovnis. Donc, on va d'abord chercher, est-ce qu'il n'y a pas des hypothèses plus mondaine, plus prosaïque. Est-ce qu'il y a pas, est-ce que c'est pas des ballons? Est-ce que c'est pas des hélicoptères avec des lumières? Est-ce que c'est pas des persistances rétiniennes? Enfin, on a tout un tas d'hypothèses à privilégier sans doute d'abord, parce que ça, on sait que c'est possible et que ça existe. Alors que le phénomène en tant que tel, puisqu'on n'a pas encore défini ce que c'est, ben, peut-être qu'il n'est pas là. Oui, alors attendez, attention. Là, je joue mon rôle de sceptique. Attention. Non, l'argument est tout à fait recevable. Mais vous ne pouvez pas avoir un hélicoptère, un ballon qui soit dans votre salon. Dans le salon, c'est vrai. Oui. Dans l'aéronef. Oui. Donc, alors, du coup, voilà, les témoignages des phénomènes qui ont lieu dans les maisons. Oui. Ça, c'est passionnant parce que, d'abord, ça fait peur, que c'est ce truc qui s'invite chez nous. Et comme il n'y a pas de dégâts, on est complètement en dehors des hypothèses plasma ou même trou noir. Enfin, je ne connais pas ces trous noirs, mais ça me paraît bizarre d'avoir un trou noir dans la maison qui se balade. Alors, comment on rattache ces observations intérieures avec la physique? Alors, déjà, il faut savoir une chose, c'est que pour tous les témoignages qui sont à l'intérieur, nous, on ne va jamais retenir un témoignage où la durée de vie va être courte. Pourquoi? À cause des images rétinières. Or, je vais vous citer un cas. C'était dans le Jura, il y a une bonne douzaine d'années. On reçoit ce cas. Il y a un monsieur qui nous appelle et qui nous dit, voilà, on était dans un repas de famille, il y avait un orage, il y a eu un gros coup de tonnerre, un gros flash, et on a vu quelque chose de très, 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 très rapide qui a crépité, qui a traversé la pièce, c'était une foudre en boule. 8 personnes. Bon, OK, on a auditionné les 8 personnes. Et les 8 personnes nous ont donné une direction de passage de cette foudre en boule différente. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de foudre en boule. Ils n'ont pas menti. Mais quand on l'a cherché d'un peu plus près, on s'est déplacé, on est allé voir dans cette maison de campagne qui était leur maison de famille, et on s'est aperçu qu'il y avait eu des ponts électriques, il y avait des dégâts qui étaient très importants au niveau électrique. Il y avait eu des ponts électriques entre les prises. Et après, on a réussi à les mettre d'accord, non pas en leur disant « c'était ça, de force ». Mais quand on a recoupé un petit peu tout ça, on s'est aperçu qu'il y avait eu un pont électrique sur un fil qui était branché d'une prise qui parcourait presque tout le salon. Et d'ailleurs, il n'avait même pas remarqué dont la moitié, qui était en cuivre, avait été évaporée. Donc, il y avait dû y avoir un arc électrique qui s'est passé. Et eux, tellement intenses, puisque en plus, on était en automne et le soir, donc le jour était tombé un peu plus tôt, avait vu une lumière et l'image rétinienne elle est très très forte sur un arc électrique. Donc, ce n'est pas que ça nous a servi de leçon, mais on ne retient pas tous ces cas. Ils sont intéressants. Après, les gens ont envie d'en parler, mais pour nous, on ne les retient pas. En revanche, quand il y a des observations qui durent plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes, qui sont argumentées et puis avec des faits, parfois, il nous arrive de récupérer, on a déjà récupéré un morceau de baie vitrée, enfin, on a récupéré la baie vitrée qu'on a découpée après, où il y avait eu une petite pichenette d'une foudre en boule. C'était extrêmement intéressant. D'ailleurs, la vitre, elle était micro-perforée. Vous voyez, on a trouvé des choses comme ça. Nos collègues russes, plusieurs de cas comme ça, notre collègue américain, Carl Stéphane, qui est à l'université de San Marco au Texas, qui lui travaille aussi là-dessus, travaille particulièrement lui sur les rayonnements X dans les orages et la foudre en boule. Il travaille également sur des cas comme ça. Donc tout ce qui est à l'intérieur, très particulier, c'est très très particulier. Il faut le retenir, il faut prendre les auditions. Et quand on commence à avoir les durées de vie longues, quand on commence à avoir plusieurs témoins qui vous disent, eh ben effectivement, ils sont à peu près d'accord sur la couleur. Après, la taille et la couleur, vous savez, chacun est un petit peu entre vert clair, vert foncé. Voilà. Mais quand ils vous disent, voilà, elle est partie à tel endroit, et puis il s'est passé ceci, etc. Et puis après, on va retrouver les faits physiques. Généralement, dans ces cas-là, à l'intérieur, la foudre en boule n'est pas arrivée comme ça.
c'est qu'on a eu un impact dans un rayon maximum de 20 à 30 mètres autour de la maison, voire sur la maison. Donc, il n'y a, y a pas de cas validé de foudre en boule dans à l'intérieur, ou alors il faut que ça dure longtemps. Mais on a des images de ça, de gens qui sont chez eux. Alors, il faut encore avoir le réflexe de filmer, mais ça devrait arriver maintenant. Parce que vu le nombre de smartphones qu'on a dans le monde, c'est d'une minute à l'autre, on va avoir une vidéo, c'est sûr. Est-ce qu'on en a déjà? Alors, à ma connaissance, à l'intérieur, non. Ouais. Non, on en a. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, soit j'ai eu peur, soit ils ont fait face à quelque chose qui est tellement hors du commun pour eux, ils sont ce qu'on appelle dans le cognitif l'état de sidération. Bien sûr, ouais. Voilà, ils sont là, boum, okay, voilà. Donc ça, il ne faut pas trop compter là-dessus dans l'immédiat. Mais alors, moi, j'aimerais quand même qu'on avance, il nous reste... Mais en revanche, oui. Des images, j'ai remarqué que les gens, quand ils sont à l'extérieur, ils sont quand même plus tranquilles. Alors, on a des belles images là, qui ont été faites au Texas, je crois. On a quelqu'un qui filmait dehors une forte pluie, et là, au travers de la nuée orageuse, on voit très bien cette sphère tomber, et puis elle s'éteint toute seule avant de toucher le sol. On dirait une fusée de détresse qui descend. Et peut-être que c'est ça? Ouais, bah alors pourquoi pas, en plein orage où il y a des éclairs de tous les côtés, quelqu'un s'est amusé. Ouais, oui, pourquoi pas, il y a toujours des gens qui aiment l'esprit fantassin. C'est possible. Alors, moi, j'ai regardé du coup dans foudreenboule.com, vous avez un onglet document, on peut regarder un peu. Parce que l'idée, c'est que, puisqu'un laboratoire qui fait des recherches, bah, ça va voir un peu ce qui existe sur le phénomène, parce que moi, je ne le connais pas. Et donc, j'ai regardé notamment, il y a cette étude de M. Nikitin sur l'observation de la foudre en boule sur la rivière Voronezh. Donc, c'était en 2015, c'est ça, si je ne me trompe pas? Parce que j'ai pris des notes, mais c'est sûr. Et donc. Alors, si Corentin, tu peux récupérer. Parce qu'en plus, il y a une photo. Donc, on a la photo de. Et c'est marqué en dessous, foutre en boule. J'ai tiré la vidéo d'ailleurs. Voilà. Et, il y a une vidéo carrément. Ah oui, bien sûr. Il l'a présenté. D'ailleurs, il l'a présenté en 2017 en communication. Il l'a présenté auprès du Comité international sur la foudre en boule. Il l'avait présenté au deuxième symposium quand il était venu chez nous pour le présenter. Et lui, il travaille spécifiquement sur les très hautes énergies. Alors, Corentin, c'est le papier qui s'appelle Observation of Ball Lightning on the River Voronezh. Et bien, encore un peu, à droite. Et bon, bah alors, retourne-toi à l'écran si tu en as besoin pour mettre à l'image. On peut pas? Non. Bon, bah, parce qu'il y a une photo. Bah, moi, j'ai pas vu la vidéo, mais quand on regarde la photo, on dirait la Lune. Et on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup ça a l'air bête comme ça, mais on en a beaucoup parlé avec Francine et Patrice qui sont venus nous parler des ovnis et des méprises qui peuvent exister. Et on se dit, mais enfin, la Lune, je ne vais quand même pas me tromper. Et pourtant, ça arrive régulièrement que les gens se trompent avec ça. Et comment est-ce qu'on est sûr que ce n'est pas la Lune qu'on a cette photo? Ah bah, c'est pas moi qui ai travaillé dessus, là. Elle n'a pas été publiée chez nous, ça a été publié en refus d'ailleurs, ça. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, comme travail pour aller vérifier? Est-ce qu'ils sont allés sur le terrain, vérifier, prendre les azimuts, la biangulation, etc.? À ce que je sais, de toute façon, tous les cas que généralement eux traitent, ce sont des cas qui ont été investigués sur le terrain, éventuellement avec des mesures, et puis rencontrent des personnes qui ont. Mais par rapport à ce cas de la rivière, là, il y a une vidéo normalement. Une vidéo, donc je pense que c'est une image qui a été extraite de la vidéo. Parce que moi, bah du coup, quelqu'un m'en a parlé, quelqu'un a enquêté dessus. Et il a contacté M. Nikitin. Et, ouais. Et ça sent pas très bon parce que d'abord, on n'est pas sûr qu'il y avait de l'orage ce jour-là. On n'a pas de bilan météo, alors qu'on a des réseaux pour voir les impacts. On n'a pas. C'est M. Barkov qui a fait les images. M. Nikitin, il n'est pas allé voir M. Barkov. Il s'est contenté de prendre l'image dans un article de presse. Et en fait, ils ne sont pas allés sur le terrain pour vérifier, pour regarder. Et M. Barkov dit que la Lune était au zénith au-dessus de lui. Et voilà, c'est ça. Donc, ça, c'est l'image de la chose. Et alors,
sur une image fixe, ça pourrait être plein de choses, ça pourrait être un phare, ça pourrait être tout ce qu'on veut, j'en sais rien. Mais puisque c'est publié, il faut qu'on puisse se dire, ok, on a écarté toutes les hypothèses qui viennent d'abord à l'esprit, et après il ne reste plus que éventuellement la faute en boule. Et je ne suis pas sûr que le travail ait été fait. Ah oui, bah, si vous, vos sources, il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on n'est pas là pour investiguer sur les cas des collègues, d'accord ? Ce serait un peu malvenu. Pourquoi il présente sa chose, pas de problème. Maintenant, si vous, vous avez fait cette investigation et vous me dites qu'ils ne sont pas allés sur le terrain, par rapport à nous, ce que l'on fait au labo, ça ne rentre pas dans votre protocole. Ce serait un cas rejeté pour nous. D'accord. Mais enfin, vous dites que vous n'investiguez pas sur les autres. Bah, en science, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire que, bon, on fait confiance a priori, je suis bien d'accord avec vous, mais normalement, il y a un protocole qui sert à vérifier pour savoir ce qu'on a fait, de quoi on dispose comme info, comme ça on est sûr qu'on a écarté telle hypothèse, et puis après ce qui reste, bah, on voit avec ce qui reste. Et sur celle-là, et vous la mettez dans votre liste, sur votre site, c'est pour ça. Donc du coup, a priori, si vous la mettez, c'est que vous l'avez validée. Communication qui avait été présentée au symposium, et les communications qui sont présentées au symposium, bien entendu, soit elles sont retenues ou soit elles sont rejetées par un comité. Monsieur Nikitine n'est quand même pas quelqu'un qui est arrivé comme ça sur la place publique. C'est quelqu'un qui a de sérieuses références, donc on peut s'attendre de la part de son travail à quelque chose qui soit, on va dire, dans les carcans de ce qu'il a fait jusqu'à présent. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, si on doit aller enquêter sur tous les cas qui nous sont transmis, nous, on n'a fait que prendre sa publication avec son accord. Oui, non, mais je n'ai pas vous demandé d'aller enquêter sur le terrain, mais juste avant de publier, s'assurer que ça a été fait. Ben oui, mais vous savez, je vais vous dire une chose. La publication, elle arrive. Cette publication, normalement, est passée par une revue, on est d'accord. Ben là, en l'occurrence, elle a été publiée. Je n'ai pas la référence de la... Parce que je ne l'ai pas sur moi. Je l'avais imprimé et je l'oubliais à la maison. Donc, je ne sais pas dans quelle revue c'est publié. Si je mémoire, il l'a présenté en 2017, cette publication. Et nous, on a dû la mettre sur notre site en 2018 ou fin 2018. D'accord ? Parce que ça nous semblait... On n'est pas allé la chercher, hein, d'ailleurs. C'est lui qui nous l'a envoyé en disant, voilà, j'ai publié cette dernière publi-là. Mm-hmm. Je ne sais plus à l'époque s'il était passé ou s'il était en cours de validation, peu importe. Et voilà, mais je suis très honnêtement, je me vois mal envoyer un mail à Anthony Kitting pour lui dire est-ce que vous êtes allé sur le terrain et est-ce que le travail a été fait correctement. Bon, voilà. Bah, peut-être qu'il faudrait faire ça. Non. À venir, Borette. Non. Bon, d'accord. Alors, par contre, il y a un papier dans la liste, c'est le vôtre. A ball lightning observed after a super bolt impact during an exceptional thunderstorm. Ça, c'est vous qui l'avez rédigé. Alors, du coup, j'ai voulu récupérer le PDF. Ça fait que deux pages. Il manque. C'est l'ensemble ? Comment ? Oui, c'est très court. C'est un extrait vidéo. Et là, par contre, c'est un temps très court. Mais un tout petit peu plus d'une seconde. C'est ça. Et alors, je ne sais pas si tu peux montrer. Voilà, en gros, l'image, c'est qu'on a cette foudre qui descend sur le sol, et on a juste à côté une sorte d'éclat, et donc qui dure une seconde 40 millisecondes, 400 millisecondes, pardon. Et voilà. Et ça, dans quelle mesure on est sûr que c'est de la foudre en boule et que c'est pas une sorte d'explosion à l'impact avec quelque chose qui aurait eu autour. Parce que moi, je n'ai pas trouvé, la localisation sur l'article. Tout simplement parce que sur cette zone-là, déjà, on a éliminé le power flash. Pourquoi ? Parce que sur cet endroit, il n'y a pas de ligne électrique. D'accord. OK. Après, ce qu'on aurait pu avoir éventuellement, c'est un arbre qui avait brûlé. C'est un ? Donc, là, elle n'est pas très compliquée à trouver. Hein. On l'a transmise, hein, de toute façon, là, peut-être pas dans la publi, mais la position, on l'a trouvée. On est allé l'investiguer. En plus, elle était sur un terrain qui était un terrain à la limite d'un terrain militaire. Donc, on l'a trouvée assez aisément par rapport à la position où on se trouvait juste de l'autre côté de Clermont-Ferrand. Et sur cette zone-là, il n'y a pas eu d'arbres qui ont brûlé. Il n'y a rien, c'est de la pampa, hein. c'est même pas vraiment de la forêt, c'est,
C'est de la zone avec des champs et puis un petit peu de forêt, quelques arbres qui traînent par-ci par-là. Ce n'est pas des très très grands arbres. Donc on savait très bien que ce n'était pas un power flash et on savait très bien que ce n'était pas une explosion. Et sur place, le temps qu'on y a passé, puisqu'on y a quand même travaillé un petit moment, pour essayer de trouver le moindre petit dégât sur une zone large par rapport à la zone du cadrage de la vidéo où il y a la sphère avec l'impact d'ailleurs d'un éclair qui est très intéressant. C'est un super bolt, hein. C'est un coup de foudre positif, un très grand positif. On a trouvé aucun dégât. Aucun dégât. Donc, vous n'avez pas trouvé le lieu d'impact alors? Non, et pourtant l'éclair a l'air. Enfin, il n'a pas l'air, il est très très. Donc la seule déduction possible, ça ne pouvait être qu'une boule lumineuse, foudre en boule, très très peu de temps, hein, 1,4 secondes. D'accord. Et là, encore une Voilà. fois, on est sur Non, un phénomène. je ferme la parenthèse. C'est que, on a aussi émis la chose, on a décrit le phénomène, on se borne, je me borne là-dedans à le décrire, d'accord. Ce qui a d'ailleurs intéressé plusieurs collègues à qui on a transmis les images originales et toutes les données, et qui travaillent d'ailleurs actuellement dessus. Mais du coup, Donc, complètement. là où c'est intéressant, c'est que, de toute évidence, cette boule-là, elle n'est pas de la même, c'est pas le même type de phénomène que ce que les gens voient rentrer chez eux. Enfin, on voit bien que, en dehors du fait que ça se passe pendant qu'il y a de l'orage et que c'est lumineux, veux dire, des choses lumineuses, moi j'ai une ampoule ici, ma voiture a des phares, j'ai un briquet. Enfin, j'ai l'impression qu'on met tout ça dans le même sac parce que ça se passe pendant qu'il fait de l'orage. Et je m'interroge, est-ce qu'on a des bonnes raisons de penser que c'est le même phénomène? Bah, là, visiblement, si on regarde les images, on voit bien que ce n'est pas les phares d'une voiture. Non, mais est-ce que c'est la même chose que ce que les gens voient chez eux? À mon avis, non. Ben voilà. Ah non. Mais on met le même nom, enfin c'est pour ça, c'est troublant vu de loin. Le phénomène est hyper bref. Enfin, hyper bref, non. Il est bref. Il est bref. Il est de grande taille. Il est extrêmement lumineux. Or, les témoignages que l'on a à l'intérieur montrent des choses qui sont parfois très lumineuses, mais qui en tout cas n'éblouissent pas. C'est rare qu'on ait des gens qui nous disent j'ai été ébloui. C'est pour ça que quand des personnes ou des témoins nous rapportent quelque chose du style ah ben c'était très 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 éblouissant, on sait déjà qu'on n'est peut-être pas sur un phénomène de ce type. D'accord. Comme l'image, comme le cas de l'image rétinienne dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, voilà, dans ce second article que vous avez rédigé, ce qui est difficile, c'est qu'il y a, il y a, enfin, c'est filmé, donc on voit très bien, il y a une image qui est bonne qualité, mais on a une seule caméra, donc on n'a pas différentes sources pour localiser. Et d'ailleurs, vous n'avez pas trouvé le lieu où c'est, donc il manque des infos pour vérifier les choses. C'est sûr qu'on a été dedans, d'accord, parce qu'on a pris large, mais le point exact, non. Et puis, on a quadrillé, on a travaillé une dizaine dessus, je vous dis, on est resté plusieurs jours, il n'y a rien. Il n'y a même pas une épave de voiture. On aurait pu éventuellement estimer qu'il y avait Oui. une épave de voiture à côté avec un petit fond de réservoir et les vapeurs auraient pu s'enflammer ou quoi que ce Oui, c'est vrai. soit. Mais il y a tout un tas d'hypothèses. D'accord. Mais non. Mais du coup, il y a un autre cas qui est plus riche, qui est sur votre site, c'est l'observation à Mytino. Donc, c'est au nord-ouest de Moscou. Donc, il y a un papier. Alors, je n'ai pas tout lu, mais j'ai vu que ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, on a des vidéos. Et là, je les ai vues. Et là, c'est intéressant. Donc, on a trois personnes différentes qui. Alors, je n'ai pas la date, enfin, c'est marqué, mais c'est en 2009. Voilà, donc, dans un groupe d'immeubles, on a des gens qui ont vu un phénomène. Donc, si vous allez sur le site Labo Foudre et vous cherchez l'article où il y a marqué Mytino, Mitino, vous aurez le papier, vous pourrez aller tout en bas et vous avez des liens avec sur YouTube, on a les sources de base. Et c'est génial, parce que là, du coup, les gens peuvent vraiment voir ce qui se passe. Et donc, Ça, j'aimerais c'est vous. dans la banlieue de Moscou. Voilà, et donc, qu'est-ce que ça nous montre, cette étude, ce papier? Ça nous montre déjà que le phénomène, déjà qu'il y avait eu quelque chose, parce que là, il y a plusieurs sources, d'accord? Y compris des images enregistrées, d'accord? Maintenant, sur ce phénomène-là, je vais peut-être être un peu décevant, mais on s'aperçoit aussi d'une chose, c'est que là où les images ont été tournées, il y a des installations électriques avec des câbles aériens en grande quantité. D'accord? Si on regarde bien, il y a une centrale électrique qui est juste à côté.
Ça aurait été absolument génial si on aurait pu avoir ces images sans ces installations électriques. Parce que est-ce qu'il y a à ce moment-là de forts champs électriques naturels qui sont complètement blousés et renforcés par les champs électriques artificiels et c'est là que le phénomène lumineux apparaît, ou est-ce que les deux sont complètement indépendants? C'est ça aussi. Parce que durant des orages, si, je ne conseille pas de le faire, mais si vous restez près, par exemple, de production électrique d'un barrage ou choses comme ça, vous allez avoir tout un tas de petits allumages sur les têtes de pylônes. Vous allez voir parfois même des espèces de gouttes lumineuses qui descendent le long des câbles, et ce ne Oui. sera pas dans la foudre rouge parce que ce sera des phénomènes purement électriques. Bah oui. Mais viens, revenons sur ce qu'on voit sur les images. Comment vous interprétez ce qu'on voit à Mytino ce jour de 2009, apparemment? Parce que voilà, Je pose pour moi, si vous voulez, pour moi, c'est pas que je me pose des questions, je me pose tout le temps des questions. Mais quand je vois ça, je me dis, OK, il y a des moments où c'est quand même très éloigné, c'est vraiment très en aérien. Et là, on pourrait le rentrer dans la catégorie foudre globulaire, quoi, tout simplement. Mais après, je remarque aussi qu'elle fait des statiques et que par moment, on voit des câbles qui sont devant. Et voilà. Quand on regarde l'étude de plus près, on s'aperçoit que la localisation, quand même, du phénomène, elle est très proche de cette zone de production d'électricité. Parce que du coup, moi, j'ai regardé la différence avec, par exemple, celle de votre article où on a une seconde et quelques. Là, c'est très long, ça dure, je crois que c'est 140 secondes. Oui, c'est long, ça fait long quand Donc, même. c'est très long. Donc, on a un mouvement comme ça, un petit peu, Ondulatoire. voilà, un peu comme un ballon qui serait dans des zones de turbulence. Et on ne voit pas le truc s'éteindre. Peut-être qu'il s'est toujours pas éteint. Parce que peut-être que ce n'est pas du tout de la lumière naturelle, et peut-être que c'est un ballon sur lequel on a la lumière du soleil qui se réfléchit. Et si on regarde la vidéo, à un moment donné, bah le phénomène sort du cadre où les gens filmaient, il passe derrière l'immeuble. Donc si on l'avait vu s'éteindre, on pourrait dire, tiens, on tient un truc, pas de chance. Donc il est très très long, plus long que la majorité. Il se comporte un peu comme un ballon, j'ai pas la preuve que c'est ça, mais ça pourrait être ça, et il sort du champ. Donc moi j'ai beaucoup d'éléments de doute où je me dis bah peut-être que l'hypothèse la plus simple c'est que ce soit juste un ballon. Et il n'y avait pas d'orage. Peut-être un petit peu tiré par les cheveux. Dans... Et il n'y avait pas d'orage. On pourrait invoquer d'autres choses, mais. Et par rapport à l'orage, vous dites? Il n'y avait pas d'orage. À l'heure où ça s'est produit, il n'y avait pas d'orage. Donc ça fait beaucoup de choses qui me font. Ah oui, non, mais d'accord. Attendez. On a quand même une partie des observations qui se font alors qu'il n'y a pas d'orage franc et déclaré. Mais une atmosphère orageuse. Et là, on voit très bien que le ciel, par contre, est Oui, très plombé. un petit peu. Si vous regardez les images de l'époque, y compris les images infrarouges, on voit quand même qu'il y avait des couvertures de cumulus congestus. Donc il y a un potentiel électrique qui est là. Voilà. Il y avait des impacts le matin, mais à cette heure-là, voilà, donc tout ça, moi quand D'accord. je regarde, je ne suis pas expert comme vous, mais je regarde et je me dis, j'ai trop de questions qui me font, enfin, de doutes en fait, qui me font me dire, l'hypothèse plus mondaine de c'est un ballon, elle tient bien la route et on ne l'a pas écartée. Et pourtant, c'est un cas qui est publié et qui est mis sur votre site, et vous n'avez pas l'air de douter de la nature du phénomène. Et moi, je me dis, bah mince, parce que moi, la nature du phénomène, j'en doute beaucoup. Alors, qui a raison, qui a tort? Attendez, vous me dites, vous n'avez pas l'air de douter de la nature du phénomène. Ce n'est pas une question de doute ou de pas doute. En matière de foudre en boule, à ce moment-là, on travaille carrément pas dessus. Si on doit se dire, de toute façon, même avec le type qui vous dit, qui vous fait un rapport d'observation, il vous dit, voilà, j'étais chez moi, j'ai vu la sphère, elle a fait ceci, elle a fait cela. Il vous décrit tout. Il vous donne de l'ultra-précision. Allez, rajoutez un argument d'autorité. Le type, il est ingénieur en électricité. Le type, il est ceci. Le type, il est scientifique. Bon, vous avez tous les éléments qui vous disent que ça ne peut être que sérieux. Je parle dans l'inconscient collectif. Qui va me prouver que ce type-là, malgré sa position sociale, on a déjà vu des scientifiques de très grand nom qui racontaient que des conneries. Bien Et il y sûr. en a encore. Bah, on n'en voit pas. Hein. On s'est compris. D'accord? Moi, comment vous dire? Il y a des archéologues de grand renom qui ont parfois détruit des pièces archéologiques parce que ça ne convenait pas avec leur théorie qu'ils avaient écrite. Et le type, il s'est dit, je ne vais pas remettre en question 20 ans de boulot. Ça arrive. Voilà. L'intégrité, on ne la trouve pas de partout. Et c'est quoi l'intégrité? Ben, ça veut dire de rapporter les choses le plus fidèlement possible et de pouvoir les mettre en éléments de façon à ce que d'autres aillent vérifier ce qu'on a pu rapporter. Ça, c'est déjà pas mal quand même, hein? C'est quand même
Moi, j'ai trouvé ça. Vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Maintenant, justement, quand on... Ouais, non, non, c'est encore frisé, donc on va attendre que ça revienne et on reprendra la discussion. Il n'y a pas de raison que ça ne revienne pas, c'est parti une fois, ça va revenir. Voilà. Priez un peu à la maison, envoyez des bonnes ondes, c'est important. Il faut que le taux de Bovis monte un peu plus parce que là on est très bas. Hein. Je sens les mauvaises énergies. Alors, monsieur Piccoli, peut-être qu'il faut éteindre, allumer. En tout cas, nous on vous a perdu, si vous vous mentez, nous on vous a totalement perdu. Alors, Corentin, qu'est-ce que tu fais? Tu éteins, tu rallumes. Bon, c'est pas revenu. Bon, et ben voilà, tout va très très bien. Donc, vous aurez compris que moi, du coup, je suis sceptique par rapport au. Enfin, parce que c'est mon job en même temps. Donc, si je n'étais pas sceptique, vous pourrez m'engueuler. Je tâche de l'être. Et je ne remets pas en cause l'honnêteté des gens. Je me demande, est-ce qu'on a suffisamment d'éléments certains pour dire on a écarté les hypothèses mondaines, les hypothèses plus basiques de ce qui s'est produit, ben, c'est un ballon ou ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je veux questionner M. Piccoli là-dessus, parce que comme il les partage, il peut les partager sans y croire totalement. Hein. Mais je veux voir quel est son niveau de critique de ces papiers-là. Est-ce qu'on réessaye? Est-ce que tu mets à zéro, tu relances? Est-ce que tu relances une invitation? Bon, excusez-nous. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. La connexion va. Voilà. Donc je disais bien que. Oui, Corentin. Il faudrait rallumer votre caméra, s'il vous plaît. Monsieur Piccoli, pour qu'on puisse vous récupérer à l'image, et ce sera bien. Et donc, je disais bien qu'il n'était pas question de douter de l'honnêteté des gens. Hein. C'est pas le je me doute bien que. C'est pas ça, mais c'est très intéressant comme discussion. Bien sûr, non, mais c'est pour être sûr que voilà, qu'on comprenne pas mal les questions ou ma posture. Moi, je ne sais pas. Je pose des questions, et c'est mon rôle, ici et ailleurs, d'être celui qui fait un petit peu chier, de dire oui, mais moi, je ne suis pas sûr. Et de voir avec vous dans quelle mesure. Ce que vous produisez vous suffit ou est-ce que vous dites non, non, mais on produit, mais même là, on n'est pas totalement sûr. Quel est votre niveau de critique par rapport aux choses que vous partagez? Vous avez le droit de partager en étant critique. Bien sûr, ah, oui, tout à fait. Nous, si vous voulez, on a aussi cette démarche, on partage certaines publics comme ça. C'est aussi pour donner un petit peu de grain à moudre à des personnes qui sont intéressées ben pour se faire une idée et qui vont avoir exactement la même réaction que vous. La réaction, elle est très saine quand on se dit, c'est pas parce que ce mec est scientifique et qu'il faut forcément prendre pour argent comptant. Lui-même, de très bonne foi, a pu se faire avoir. Bien sûr. Parce que j'en connais, moi, qui sont tellement. Moi, j'avais un collègue qui était tellement. Il travaillait sur les champs électriques. À un moment, il était tellement monomaniaque dans son truc, hyper compétent, mais tout était champs électriques. C'est-à-dire que toutes les explications étaient ces champs électriques. Eh oui, les explications monocausales. C'est pour ça que, à la rigueur. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais je préfère qu'on ait un certain nombre de choses, allez, je ne vais pas dire bancales, mais voilà, il faut les regarder d'un petit peu plus près, mais au moins, ça pourra développer l'esprit critique, parce que après, ça devient dogmatique autrement. Certes, oui, enfin, dire... il ne faut pas être dogmatique d'un côté comme de l'autre, on est contre le dogmatisme sur cette chaîne. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si vous vous dites... C'est comme ça, ce qui a été fait là-dessus, c'est absolu. C'était comme ça le jour. Oui, moi, quand on a reçu cette publication, la première chose qui m'a sauté à l'esprit, nous qui sommes sur le terrain, c'est pas qu'on est plus mieux ou moins bien, c'est qu'on a peut-être aussi une relation différente avec le phénomène. La première chose à laquelle j'ai pensé, et qui apparemment n'avait pas suscité d'interrogation, c'était cette usine électrique. Néanmoins, ce jour-là, l'atmosphère avait été orageuse, il y avait eu de l'orage déjà, et à ce moment-là, la couverture était des cumulus congestus, donc pour nous, en situation météo capable de générer ce type d'observation, en fonction de ce que l'on a en retour, c'est compatible. Maintenant, effectivement, si quelqu'un arrive et dit « moi j'ai repris toute l'étude, j'ai retravaillé, et il y avait ceci, cela », parce que l'hypothèse du ballon, ça peut être intéressant. Déjà, c'est quand même pas mal lumineux pour être un ballon. Admettons qu'il soit éclairé sous le soleil avec la même intensité, qu'il ait le même albédo tout le long de son parcours. Pourquoi pas? Bon, c'est variable dans la vidéo quand même. Hein. Ouais, enfin, il y a quand même la même colorimétrie qui est là. Il y a autre chose, c'est que la foudre en boule, tout comme le ballon ou comme une lanterne taille, d'ailleurs, hein, elle va suivre les courants aériens. Elle va se balader, le phénomène, il n'y a pas de propulsion propre. Bien sûr. Voilà. Donc...
Effectivement. Mais ce sont quand même des études qui ont... Alors, non, pas des études. C'est des descriptions de cas. Il vaut mieux le prendre comme ça. Ouais. Mais peut-être que moi, la publie sur le site du labo que j'ai faite sur la foudre en boule à Clermont-Ferrand, qui a duré 1,4 secondes. Peut-être que dans un an, je vais croiser un collègue géologue qui va me dire, ah ben tu sais, sur la zone là où il y a ceci, ceci, Bien cela, sûr. et puis dedans, voilà. Donc oui, mais lui, s'il peut me le dire, c'est peut-être parce qu'il aura trouvé l'étude et qu'il dira, oh mais là, Raymond, tu t'es complètement planté Ah, là-dessus. mais je dis pas qu'il ne faut pas publier, hein. Non, 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 non. C'est bien d'avoir du matériau, évidemment, bien sûr. Ah ben voilà. Donc voilà. C'est pour ça aussi qu'on consulte, on ne tourne jamais en consanguin. Déjà, dans l'équipe, on est différentes disciplines. Et puis, nous, on a vraiment à cœur de travailler dans toute collégialité. Des géologues, des botanistes, on est même allé voir sur ce cas-là des collègues botanistes avec qui on a des conventions de recherche, etc. Et on ne l'a pas fait, on s'est dit, tiens, ouais, il y a une sphère lumineuse, c'est une foudre en boule. Moi, au début, je n'ai pas pensé à une foudre en boule, hein, j'ai pensé à un power flash. D'accord. Alors, c'est la fin de l'émission, mais donc les gens qui sont dans le chat, si vous avez des questions pertinentes, bah, vous les posez maintenant, vous marquez Ask ou question, vous la posez, et puis si je les rate, les gens de la modération, je les remercie. Merci beaucoup, la modération. Il y a Nachi, il y a Francine, Patrice, je ne sais pas qui y a d'autres, je crois qu'il y a, j'ai vu Valérian, je ne sais plus. On vous embrasse, voilà. Merci beaucoup d'être là. Moi, j'ai une question sur vous avez évoqué le fait qu'il y avait des impacts sur les vitres. Si j'ai bien compris, Alors, dans les maisons. Ça, oui, bah, allez-y. des traces, pardon, pas des impacts. Et est-ce qu'il y a des enquêtes là-dessus sur les éléments de traces? Alors, autant sur l'arc, dans le câble, on comprend ce que ça peut être, autant sur les traces où il n'y a pas de traces d'arc ou de quelque chose, mais on a un témoignage d'un phénomène, et puis on a des traces. Qui enquête dessus? Est-ce qu'on a des données? Est-ce que votre équipe se déplace pour. Oui, sur... Le GEPAN va sur place pour prendre des témoignages, pour étudier sur les phénomènes OVNI. Vous faites en partie ça, je suppose. Mais sur ces traces-là, lorsqu'il y a traces, pourquoi? Enfin, moi, je n'ai pas vu, peut-être que j'ai raté. Est-ce que ça remonte l'info? Est-ce que c'est publié? Est-ce qu'on a des choses? Alors, dans ce cas, alors, je vais prendre ce cas-là où on a eu le morceau de baie vitrée. En fait, la foudre a frappé un arbre, d'accord, dans le jardin de cette propriété. L'arbre était situé à une vingtaine de mètres de la maison, donc il y a eu des dégâts électriques dans la maison, d'accord. Il y a eu des remontées de sol. Les deux témoins qui étaient dans le salon ont donc vu l'arbre frappé par la foudre, très forte explosion, lueur très aveuglante du tonnerre. L'arbre, d'ailleurs, a été pas tout à fait ouvert en deux, mais quasiment. Et là, ils ont vu une sphère blanchâtre. Alors, ils l'ont décrit comme un blanc métallique, presque argenté, qui est apparu au pied de l'arbre à une quinzaine, vingtaine de centimètres et qui s'est dirigé vers la vitre, tout simplement, qui s'est dirigé vers eux dans leur direction. Donc, qui est venu, mais pas à grande vitesse. Et au fur et à mesure qu'elle avançait, elle a pris un petit peu d'altitude pour arriver à environ à la baie vitrée. Je vous dis le souvenir parce que j'ai une baie qui doit traîner par là, mais à peu près 1 mètre, 1,20 m. Et la sphère, en fait, s'est appuyée contre la vitre, tout simplement, et puis ça a crépité, puis plus rien. Voilà. Donc, nous, on a récupéré la vitre. Alors, quand c'est comme ça, alors déjà, parti, on a été prévenu par la brigade de gendarmerie locale qu'il s'était passé quelque chose, parce que comme il y a eu des dégâts dans la maison, il y avait plusieurs appareils électriques grillés, il y a eu des émanations de fumée au compteur, les pompiers sont venus, tout simplement. Donc, les services de secours ont été prévenus. Et nous, on a une convention avec la gendarmerie nationale qui fait que de temps en temps, on pense, bah, ils préviennent et c'est très intéressant. Donc, on s'est rendu sur place, on y était le lendemain. Et quand le témoin a décrit ça, on a prélevé la vitre, où d'ailleurs, on voyait que la vitre était un petit peu, il y avait comme, je ne vais pas dire déformée, elle n'était pas du tout déformée. On aurait mis une tache de gras, tout simplement, sur la vitre, qui faisait une dizaine de centimètres. Donc, dans ce cas-là, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit voilà. On fait un message, on envoie ça à tous nos collègues qui travaillent plus ou moins sur le même sujet. On leur dit, voilà, on a ce cas-là. Il est possible qu'il se soit produit ça en fonction de ce qu'ont dit les témoins. On fait toutes les photos qui concernent avec le cadrage scientifique, c'est-à-dire les mesures, patati patata, la marque de la vitre et tout. On prend le matériau et ensuite, on le partage avec ceux qui veulent l'expertiser et qui savent le faire. Ça peut
avec du microscope à balayage électronique, etc. Et cette vitre, par exemple, est partie pour analyse. Alors, ce qui a été trouvé, c'est rien, rien à part des trous, une déformation de surface de la vitre D'accord. quelques dizaines de trous à l'intérieur qui étaient trop petits pour être vus à l'œil nu. Donc Et c'était pas du gras, mais on ne sait pas trop ce que c'était et c'est voilà. parce que ça donnait cette impression. D'accord. Vous savez, parfois, malencontreusement, on va s'appuyer le visage en été contre une vitre et puis on fait une. Ça Alors, pourrait. c'était pas aussi prononcé que ça, mais c'était clairement visible quand on se mettait bien à la lumière. D'accord. Voilà. Donc il y a des traces comme Maintenant. ça, mais voilà, on n'a pas tiré d'éléments factuels, empiriques, des choses qu'on pourrait Oui. rattacher à une théorie physique pour expliquer, c'est ça? Attendez, il y a un problème dans l'affaire. Il n'y a pas que celui-ci. Éléments physico-chimiques, hormis des trous, rien. Par contre. Si vous prenez contact, si vous prenez attache avec des gens qui fabriquent des vitres, des industriels, d'accord? Ils vont vous dire que c'est ce qu'on a fait. Ils vont vous dire, vous savez, parfois il arrive, c'est très rare, mais qu'on ait des vitres qui passent et qui présentent un défaut. Ah oui. Donc on leur a dit, est-ce qu'on pourrait voir les défauts les plus communs? Ah mince. Et le défaut le plus commun qu'on ait vu, c'était un problème de refroidissement qui Ah ben provoque plus ou moins la même chose. oui. Ah oui, donc on n'est pas sûr que Voilà, la vitre n'était pas comme ça au départ. eh bien oui, mais oui. Ah mais oui, moi j'étais pas là pour l'avoir avant l'orage. Ah oui. Non, mais ça montre bien que vous n'êtes pas en train de vous rattacher à tout ce qui passe pour vous dire j'ai raison. Vous êtes dans une démarche pour éliminer absolument toutes les. Et c'est ce que j'ai fait moi avec Mikino et les ballons. C'est que on est obligé, et vous le faites, de dire ça pourrait être ça, donc tant que ça peut être ça, je ne dis pas que c'est forcément ça. Et c'est la démarche en scientifique en fait. Les témoins me disent, voilà, mais est-ce qu'ils ont. Alors écoutez, vous allez me dire, c'est tiré par les cheveux. Peut-être que ce défaut. Alors, parce que je vous ai dit, si vous vous mettez vraiment face au canon de travers, vous voyez quand même qu'il y a cette tache. Si vous êtes au-dessus, vous la voyez à peine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites 1,70 m, 1,80 m, il y a très peu de chances, surtout que c'était une maison qui avait été rénovée un an auparavant, que vous vous baissiez à 1,20 m du sol pour voir le paysage. Donc peut-être que c'est un défaut d'origine C'est qui ça, n'avait jamais été vu, bien et sûr. là ils y ont fait plus attention. Ben oui, puisque le Vous voyez? contexte fait qu'on va regarder cette vitre de près, bien sûr. Alors, donc pour la verte, c'est pour ça que ça, par exemple, on a le cas. On a les photos des vitres, on a le rapport des camarades qui l'ont, des collègues, pardon, qui ont expertisé la vitre, qui ont fait des analyses physico-chimiques, ils l'ont même passé au MEB, etc. Mais je fais quoi? Parce que si moi, j'ai ramené de chez Saint-Gobain un exemplaire de vitre plus ou moins similaire, mais si je vous mets les deux à côté, Oui. ben ça me fait une deuxième vitre avec une foudre en boule qui est là, qui s'est appuyée dessus. Ou alors, ça fait. Bien voilà. Peut-être que c'est le cas. Mais en l'état, la vitre ne pourra pas parler plus que ça. Tout à fait. Parler, vous avez compris ce que je veux dire. Bien sûr, non, mais c'est là où on voit la Voilà. démarche. On ne peut pas prendre tous les faits qui pourraient nous donner raison. Voilà, si l'un des deux avait eu son smartphone et avait filmé la sphère qui s'appuie, qui elle donne un son d'éclatement derrière, on aurait reconnu l'intérieur de la maison, la Oui, vitre, etc. Voilà. c'était la preuve. Alors, du coup, dans les questions qui sont posées, il y a, c'est quoi on finira là-dessus. C'est quoi l'enjeu de prouver que la foudre en boule existe? Et si elle n'existe pas, ça implique quoi? C'est-à-dire que peut-être qu'il se passe vraiment des choses, qu'il y a vraiment matière à explorer, puisque les gens ne sont pas fous ou menteurs, mais que si on garde une hypothèse qui, si elle n'est, enfin, si l'hypothèse n'est pas la bonne, peut-être qu'il faut s'en débarrasser vite pour explorer, mais si c'est la bonne, alors qu'est-ce qu'on peut espérer des gens? Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, public, pour vous aider à élucider plus vite ces choses-là? Comment on fait Alors, pour regarder, pour filmer, pour récupérer des données? déjà pour répondre, là je vous donne mon avis plus personnel que celui du scientifique. Vu les témoignages qu'on a, on a réussi à faire ces trois catégories, c'est déjà pas mal. Je ne me jette pas des fleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que si vraiment on est super pointilleux, on comprend vite, et si on baigne là-dedans, que certains phénomènes et dans leur typologie, dans plein d'autres choses, n'ont rien, mais alors rien à voir avec les autres.
D'accord. Donc pour l'instant, on est obligé de faire une grosse hotte du Père Noël en disant ben, tout ça, on va le mettre sur le biais des phénomènes orageux. Donc nous, notre propos, il n'est pas d'essayer de savoir si ça existe ou si ça n'existe pas. On sait qu'il y a des choses. Vous avez vu encore là, vous ressentez la mixité avec les pains, hein? C'est voililà. Et ben, c'est de dire voilà, il faut accumuler en milieu naturel parce qu'il y a des gens qui font des choses très bien en labo. Ça sert à rien de faire doublon et puis en plus, nous, on ne saurait pas le faire. C'est d'accumuler le maximum de data pour les partager le plus possible. Donc, au plus on a de data, au plus on va réussir à investiguer et à accumuler des choses qu'on va recadrer. Parfois, il y a des cas très intéressants, on ne pourra rien en sortir parce que ben parce que c'est pipé d'entrée. Les dés sont pipés d'entrée parce que le type, on va poser des questions sur lui et le type, il va nous dire, ben, vous savez, ouais, effectivement, ce soir-là, je suis sorti de boîte, j'étais torché. Oui. Ah ben, peut-être qu'il a bien vu, mais on attaquera la chose là-dessus. On dira, la première chose que certains diront, c'est, ah ben oui, mais le type, il avait. Bah, c'est de bonne guerre, enfin, de bonne guerre. C'est un bel argument pour se dire on ne prend pas le témoignage. Dans un travail, il doit prouver quelque chose, c'est comme une enquête policière. Bien sûr. Qu'est-ce que fait l'avocat d'en face? Il va trouver la faille, même si Voilà. elle est microscopique. Et c'est normal, c'est comme ça qu'on avance. D'accord? Alors, Donc, par exemple, si les gens ont vu des choses chez eux, si ça date d'il y a plus de 20 ans, etc., est-ce que ça vaut la peine qu'ils témoignent? Est-ce que c'est pas plus important d'avoir des choses récentes pour pouvoir éventuellement vérifier sur le terrain? Est-ce que qu'est-ce qu'on doit faire? alors. Déjà, même si le cas est ancien, ça nous permettra de discuter avec la personne et peut-être de tirer deux, trois renseignements, une couleur, un son qui va être commun avec des choses plus récentes. Donc, c'est très Mais alors, utile. est-ce qu'il ne faut pas que les gens évitent de se renseigner de leur côté pour ne pas être influencés? Parce qu'il y a Mais ils ça le font aussi. systématiquement. Ouais, bah je sais bien, Ils font ça à la main, de toute façon. oui. Bah oui, mais Donc, arrêtez, lâchez votre téléphone, les gens. Je vous ai dit au début, je suis de formation astronome. Bon, ben, il m'arrive parfois de parler un petit peu du ciel ou de faire une soirée astro. Moi, j'ai même encore des gens qui me disent, je suis sur smartphone pour vérifier si ce que vous dites est vrai. Alors, vous allez voir, simplement, Jupiter. Donc, non, ce que je veux dire, c'est que les gens peuvent nous aider parce que on a ce formulaire que les gens peuvent compléter pour nous décrire. On en a eu ces jours-ci avec les orages. Il y a un numéro de téléphone maintenant, il y a une ligne directe. C'est pas pour prendre connaissance des prévisions météo, on les fait pas, hein, d'accord? C'est vraiment pour témoigner là-dessus. Et puis on est en train de mettre en place une application. Alors l'application, ce serait une application bah, gratuite, il n'y a rien à payer, bah, un petit peu participative, c'est-à-dire que les gens pourraient faire une photo de quelque chose. Alors foudre en boule, ce serait inespéré, mais pourquoi pas un arbre foudroyé ou tel objet foudroyé, parce que tout ça alimente la base de données et nous l'envoyer de cette manière. Ça, c'est très Donc, important aussi. sur le site lafoudre.fr, labofoudre.com, pardon. Ah, c'est .com, je crois que j'ai mis .fr, excusez-moi, dans le chat. On mettra dans la description. Là, il y a, je l'ai pas sous les yeux, les gens peuvent aller témoigner sur le site. Et le numéro de téléphone. Bon, bah, donc les gens, vous avez l'adresse, vous savez comment faire. Un mot de la fin, monsieur Piccoli, un truc qu'on n'a pas dit, qui vous semble important, sur le phénomène de foudre en boue ou la foudre en général. Un conseil, une lecture. Conseil, on va y rester encore un petit moment. Dans ce qu'il faut, voilà, allez, je vais terminer là-dessus. Comme je dis toujours, la foudre, c'est quand même dangereux. Pour autant, il ne faut pas avoir peur de l'orage, mais il faut le craindre, tout simplement. Et vous savez, je vais vous dire une chose qui tue et qui blesse avec la foudre. Là aussi, ça peut choquer. Actuellement, c'est tout simplement le manque de bon sens. On a un cruel déficit dans les esprits de bon sens. Non, alors là, franchement, la Covid-19 nous a montré le contraire, hein. Les gens, ah non, Oui. non, 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 ils savent Et mieux que moi, les autres. j'ai des gens, on se le dit ça entre nous, des fois qui sentent le roussi dans le sens qu'ils sont passés très près. Le type, il nous dit, ouais, je faisais mon jogging avec l'orage, je me suis mis sous là. Ah, Ah ils sont bon, là, mais qui vont dire. dangereux. Oui, je sais que c'est dangereux, mais en même temps, l'appli météo Intel m'avait dit qu'il n'y aurait pas d'orage. On en trouve des comme ça. Voilà, on en trouve de plus en plus. Où on trouve des gens qui vous disent, ah, mais la foudre, je l'ai vue tomber devant moi, là, elle a frappé un arbre, alors je suis sorti parce que justement, la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Ou des gens, voilà, des choses, voilà, vous savez. Bon, de la fin, l'autre jour, j'ai un monsieur gentil, très gentil, qui m'a appelé. Et quand j'ai décroché, il me dit, bonjour monsieur, vous travaillez sur la foudre au labo. Voilà, je voudrais savoir, je viens en vacances dans le Cantal au mois d'octobre. Au mois d'octobre, est-ce qu'il fera beau?
Ben, je lui ai dit, vous Oui. savez, vous avez autant de chances d'avoir de la pluie que du beau temps. Vous aurez sans doute un petit peu de vent. Et puis de temps en temps, il fera bon. Il Il était réglé. fera un peu jour dans la journée, puis il fera un petit peu nuit en fin de journée. Je suis très gentil. Il était ravi. Il lui en fallait pas plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est comme ça. On nous demande parfois à la fin de conférence ou lorsqu'on fait visiter le labo, on me dit, bah alors, en cas d'orage, qu'est-ce qu'on fait? Mais je m'abstiens toujours de dire quelque chose. Je fais la mauvaise réponse. Je leur dis, mais il faut rester à l'intérieur. À l'intérieur. Alors, ils me disent, ah, mais c'est pas facile. Oui, d'accord, mais si vous dites à quelqu'un, ne te mets pas en plein champ, Ouais, il va retenir. Ouais. c'est très dangereux, mais pour Donc, autant. les gens, vous n'allez pas en hauteur parce que la foudre prend le chemin le plus court, en gros, en raccourci. Donc, vous vous mettez à plat ventre, voilà, et vous vous mettez loin des arbres. En voiture, a priori, avec le caoutchouc, vous êtes à l'abri. Il me semble que c'est vrai, ça? La voiture reste un bon abri. Il y a des cas rares où c'est pas du tout, ça fonctionne pas du tout, parce que vous avez compris qu'il y a bien d'autres phénomènes dans la foudre que l'électricité. Ça peut arriver, ça reste un bon abri. Puis je vais vous dire, hein, l'année dernière en France, on a eu plusieurs voitures qui nous ont été, entre guillemets, rapportées foudroyées. La plupart ne l'étaient pas. En fait, c'est la foudre qui avait frappé à proximité. Il y avait effectivement eu un amorçage, hein, Ouais. d'accord? Et sur le nombre, on n'en a investigué qu'une seule qui méritait scientifiquement d'être investiguée. Donc c'est rare. Donc a priori la voiture c'est un abri, mais pas Donc, trop en hauteur quoi. Éviter les collines. c'est de se recevoir un arbre sur la voiture. Donc, quand il y a de l'orage, quand il pleut beaucoup, quand il y a de la grêle, on diminue grandement la vitesse, comme le font des gens. On ne va pas non plus se garer sous un arbre pour éviter la grêle. D'accord. Bon, eh ben, je pense que ça c'est relativement consensuel. Et les gens vont comprendre. Chez nous, les gens sont intelligents. Il faut les flatter. Pensez à donner de l'argent sur Tipeee, sur Hello Asso, sur Utip. Nous fonctionnons grâce à vos dons. Nous sommes une association de 1901, c'est la STEC. Donc merci beaucoup à vous. Merci Monsieur Bicoli. C'est moi qui vous remercie, j'ai trouvé. J'étais sceptique et méchant, mais c'était pas pour être méchant, c'était juste pour être sceptique. C'est comme ça qu'on avance. Bon, et eh ben tant mieux. Eh ben, bon courage pour la suite. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Corentin. On a fini, on va pouvoir passer à la pizza. Je vous dis bonne soirée et attention, le temps, enfin, il fait beau par chez nous, mais si chez vous il fait mauvais temps, allez regarder l'orage, c'est beau. Au revoir, merci. Au revoir. N'y a pas de son pour le générique. Corentin, t'es viré, hein, de fou. Bon, ben, on fait sans. Mais c'est Vlad, la musique de Vlad n'est pas dans le générique, tu t'en rends compte? C'est un scandale. Est-ce qu'on m'entend ou pas? On m'entend? Mince, alors je vais me...